Et maintenant, veuillez accueillir chaleureusement Louis P. Et notre musique libérée de droits. C'est ça, cette musique-là. Parce que sinon, YouTube pourrait nous enlever la vidéo s'il y a des droits. Anyway. Bienvenue tout le monde à la salle Fen Place. Vous allez bien? Oui! Ah ouais, vous lisez pas les journaux? Toute une grosse semaine, encore une fois. Beaucoup de nouvelles. Qui, ici, par applaudissement, a vu la vidéo du gars qui a été arrêté au Tim Horton? Qui s'est fait arrêter? Ouais. J'ai fait une blague plutôt cette semaine là-dessus. J'ai juste écrit un petit statut que je trouvais rigolo. J'ai dit, si la police voulait réellement protéger la population, il aurait évacué tout le monde de Tim Hortons. Et là, les gens ont parti capoter. Les gens faisaient comme, ouais, c'est vrai, ceci, un gars pas de masque qui est si dangereux que ça. Comment ça fait qu'ils ont laissé les gens dedans? Ils devraient les sortir. J'étais comme, oh, 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 oh. Moi, je voulais juste dire que le café était à chier chez Tim. Juste ça. Mais c'est rendu difficile de parler de ces sujets-là. Tout est rendu polarisant aujourd'hui. Tout le monde est rendu fâché. Peu importe le sujet dont tu parles, il y a la moitié des gens qui sont d'accord, l'autre moitié qui sont fâchés, sauf certains humoristes. Danny Turcotte arrive à rassembler tout le monde. Tout le monde le trouve ordinaire. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, peut-être, c'est un gars qui était arrêté. Il allait chercher un café de réfraction foncée, hein, mais il n'y avait pas de masque, puis il s'est fait poivrer et teaser, finalement. Ça a l'air que ça réveille aussi. Très inspirant, je me suis dit, « Colin, le gars, il a réveillé. » J'ai pensé, moi, à place d'avoir un snooze sur mon réveil matin, ça devrait être un choc électrique. Tu sais, au quatrième, tu peux être « OK, il m'a allé travailler. » Le gars était filmé par sa femme. Le gars était filmé par sa femme sur son cellulaire. Puis moi, tout le long, je me disais, « Chris, il y a une femme. » Non, mais j'ai une pensée pour tous les gars célibataires qui disent, « C'est difficile de trouver une blonde pour de vrai. » Pas tant que ça, honnêtement. Descends tes critères un peu. En même temps, ça a changé ma vision de l'amour. Maintenant, quand je décris l'amour, c'est quoi aimer quelqu'un pour de vrai? Le filmer au Tim Hortons pendant qu'il se fait arrêter par la police puis rester avec. Ça, c'est de l'amour. J'ai écouté les arguments. J'essaie d'écouter les arguments des gens qui sont contre le port du masque obligatoire parce que je pense que c'est important de les écouter pour comprendre. T'sais. Et un qui revient souvent, c'est une question de droits et libertés. Ils ne veulent pas se faire imposer rien. Et là, je disais comme, d'accord, je peux comprendre, mais où étaient ces gens-là depuis 30 ans? À l'entrée des Tim Hortons, c'est bien écrit, chandail et pantalon obligatoire et rollerblade interdit. Où étaient ces gens-là pour défendre nos droits? Comment ça fait qu'il n'y avait pas plus de vidéos de gens nus en rollerblade qui font comme « Vous me direz pas où je peux en faire! » Quoique ce genre de manifestation-là se réglerait facilement avec un peu de gravel sur le temps. Les gens sont fâchés. Moi, ça me fascine parce que c'est vrai. Moi, ce qui me fascine, c'est les conspirationnistes de jour. Parce que moi aussi, le soir, des fois, à 3 h du matin, je lis des affaires, je suis comme « Oh my God, je suis fâché! » Mais le lendemain matin, je fais « Ah! » Je prends ma vie normale. Mais eux, c'est des conspirationnistes de jour. Ça, c'est intense. Conspirationniste de soir, je fais comme, ah, ça, c'est correct. Mais de jour, c'est intense. Puis ils sont fâchés parce qu'ils n'ont pas confiance en la science. Souvent, c'est ça qui arrive. Il y a une déconnexion entre la science et la population. Je lisais ça, c'est un des arguments. Les scientifiques sont déconnectés de la réalité. Souvent, ça revient. Là. Les scientifiques ne vivent pas la même vie que nous autres, fait qu'ils ne comprennent pas. Je fais comme, ben oui, mais ça fait partie de leur job. Si tu veux te concentrer autant sur un domaine, tu ne peux pas avoir une vie normale comme nous autres, là. Je veux dire, nous, les gens normaux comme nous, on n'a pas le temps de penser à ces affaires-là. Là. Je dis, moi, 33 % de mon cerveau est occupé à planifier les lunchs pour la semaine. Il y a un autre 33 % qui se demande si tu as un lundi pédagogique. Puis le dernier 33 % c'est faut pas que j'oublie mon fils dans le char. Ça laisse 1 % ça, pour réfléchir à des affaires, puis je le passe sur Netflix. Ah non, c'est normal que ça soit déconnecté. Mais on est dû pour. Je pense qu'on est dû pour créer une rencontre entre la science et la population, parce que là, on le sent là, que ça se sépare puis que les gens s'éloignent, puis c'est dangereux ça, pour l'avenir. Il faudrait une thérapie de couple. Il faudrait s'asseoir sur un divan avec un thérapeute dans le milieu qui nous fait parler. Là. La population qui est comme là, puis d'un bord, les scientifiques de l'autre, les scientifiques qui se plaignent, genre comme « Tu ne nous écoutes plus quand on parle! » Puis la population « Tu ne nous regardes plus de la même façon, on le voit dans ton regard! » La population fait comme « Tu m'as déjà trompé! » Puis les scientifiques, c'était comme « C'était il y a 40 ans avec la télédomine, reviens-en! » Vous savez c'est quoi la télédomine? Ceux qui ne savent pas, c'est le médicament qu'ils donnaient aux femmes enceintes il y a 40 ans qui avaient des nausées. C'est supposé leur enlever leur nausée, mais finalement, ça a donné des enfants qui avaient
qui leur manquaient des orteils puis des doigts, tu sais, des petits bonhommes pains d'épices, là. Celle-là, l'image est comme cute et méchante en même temps. Mais... Non, il faut se rejoindre. Ça n'a pas de bon sens, la science. Puis tout, puis... Mais c'est vrai que la science nous a déjà trompés. C'est sûr que la science n'est pas parfaite. Ça fait partie du processus de la science, de faire des erreurs. T'sais. Mais c'est pas parce qu'ils ont fait des erreurs qu'il faut l'abandonner. Dire oui, il y a des avions qui s'écrasent, puis on va pas commencer à faire comme bon, on va essayer de voler avec des bateaux maintenant. Là. Ou bien ton GPS, c'est sûr qu'il s'adapte. C'est la même chose pour la science. La science te dit pas de masque, puis après ça, elle a évolué, porter un masque. Mais un GPS, là, quand il dit tourner à gauche, il dit pas ouais, mais tantôt, tu me dis tourner à droite. On n'est plus à la même place. Là. Faut que tu apprennes. C'est pas parce que ton GPS il change que tu vas te mettre à conduire les yeux fermés à sens inverse sur la route en disant check les moutons qui vont tous de l'autre bord. Ça me fait peur un peu tout ça, moi, j'ai peur, tu sais. Mais en même temps, j'essaie de comprendre, j'essaie pour de vrai de comprendre. Il faut, à part ça, là, la science, là, souvent quand elle est de notre bord, on l'utilise, mais c'est pas sûr qu'on la comprend tant que ça, parce qu'elle n'a pas tranché sur le port du masque. Hein. Le monde, il dit que la science a tranché, mais pas tant que ça, elle est beaucoup plus nuancée qu'on pense. Il y a des bonnes raisons de croire que le masque est efficace, puis que ce serait une bonne idée de l'appliquer, mais la science n'est pas catégorique là-dessus. La science est souvent juste assez nuancée pour que les deux équipes soient convaincues qu'elle est de leur bord, là. C'est comme Dieu au football. Hein? Au début d'un match, les deux équipes sont convaincues de l'avoir de leur bord. La science, c'est tout le temps comme ça. Puis il faut être honnête, là. Peu de gens ici sont réellement en mesure de lire une étude scientifique puis sont abonnés à des revues scientifiques. Puis tu sais, on dit la science a dit telle affaire, mais on ne l'a pas lu, la science. Là. Hein? On a lu un résumé d'un journaliste qui a fait un résumé, qui lui-même avait lu un résumé d'un grand titre. Là. C'est loin. Hein? Ça, c'est le bout de sérieux. Mais je pense qu'on vit une époque particulière en ce moment, où on a beaucoup trop de temps libre. Sérieusement, on a beaucoup trop de temps libre, puis ça crée des précédents dangereux. Là. Parce que pas de temps libre, on n'aurait pas ces débats-là. Là. Mais là, ça va trop bien. Il y a trop de confort, trop de temps libre. Je veux dire, c'est honnêtement, je veux dire, le PCU, hein, programme d'urgence canadien, là, il aurait dû venir avec une obligation, tu sais, avec ça. Pas juste de l'argent, là. Va planter des arbres. Ça va faire... Parce que si tout le monde on avait planté des arbres, premièrement, le Canada serait vert en ce moment. Puis on serait fatigué. Puis quand t'es fatigué, là, t'as planté des arbres toute la journée, là, puis t'arrives au Tim Hortons pour prendre un café, puis dis mets un masque, tu mets ton masque. Ah non, il nous manque de but. On a trop. Il n'y a plus assez de danger aujourd'hui. On est une société trop confortable. Moi, je me rappelle. Comment ça? Jackass. Vous vous souvenez de l'émission Jackass? Ceux qui n'ont pas connu. Jackass, ils faisaient des conneries, là, une gang de gars qui faisaient des conneries. Ça aurait pas pu. C'était juste à notre époque que ça aurait pu exister, cette émission-là. Ça aurait pas pu exister pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est sûr. La moitié des gars étaient au front en train de mourir, l'autre moitié juste content ici en se cachant de pas mourir. Personne n'aurait fait comme « Ouais, c'est un peu plate, on pourrait se brocher les testicules sur une table. » Non. Non. Faut ça le dire, les nazis ont fait beaucoup de mal, mais en même temps, ils nous ont gardé focus, tu sais. Ils nous ont gardé occupés. Ça avait ça de bien, je veux dire, ça nous gardait, on avait une direction. Non, trop de temps libre, ça amène des niaiseries. Puis je m'inclus là-dedans, là. Moi aussi, je m'inclus. Ma blonde est partie pour la fin de semaine, 3 jours. Ils sont partis 3 jours avec mon fils faire du camping. Fait que je suis toute la fin de semaine libre chez nous en ce moment et je sais comment je vais rien faire la fin de semaine. Tout ce que j'ai prévu, c'est écouter des films sur Netflix puis manger dans le lit, tu sais. Ça se peut que je skip manger dans le lit tellement je vais être paresseux. Et ça me fait peur. J'ai peur que lundi, quand elle revienne, je sois rendu anti-masque. Hey, ça met fin à ce petit monologue pour aujourd'hui. Merci, merci, merci. Maintenant, je préparais à recevoir mon invité. Juste dire que c'est drôle parce que je regardais les émissions des 2 dernières semaines puis je trouvais que j'étais un peu trop stressé pour pas la télé. Je trouve que j'avais trop le rythme de la télé puis genre, je fais comme, oh, comme s'il y avait une publicité. Il n'y en a pas de publicité. J'ai le goût de rien faire, là. Je pourrais rien faire. Là. Il n'y a pas de presse. Mais je vais le faire pareil parce que j'ai rien d'autre à dire. Non, mais c'est vrai, je veux dire, je trouvais que j'étais un peu trop en train de mimer ce qu'il y a à la télé, puis pff, c'est pour ça que je fais pas de la télé, parce que je voulais pas être pressé, fait que prenons notre temps, tout le monde. Mon invitée, cette semaine, elle fait beaucoup réagir. En fait, chacune de ses présentations ou ses présences à la télé ou à la radio suscite des centaines de commentaires sur Internet, et c'est pour ça que je l'ai invitée aujourd'hui. J'espère qu'il y en aura des centaines, fâchées ou pas fâchées, Mariana Mazza, tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.
On est live sur Internet, hein? On est live sur Internet. Salut le web. T'es tellement pas de ta génération, on dirait, en disant ça. Salut le web, c'est wack. T'es-tu en forme, là? T'arrives de tourner chez Stéphano puis te manger beaucoup trop, que tu me disais avant d'aller. Ben, c'est ça, j'ai fait une émission qui s'appelle Station Potluck à Zest et ils te font ton ADN culinaire. Puis moi, mon ADN, pas mal pâte, patate, puis pas mal ça que j'ai mangé, fait que, wouh! Puis j'arrive super vite parce que je tenais à venir ici parce que j'ai vu ton numéro, ton monologue d'ouverture la semaine passée, puis j'ai trouvé ça super bon. Puis je suis d'accord. Me suis... Cette semaine, t'es moins bon, mais la semaine passée, je sais bon. Pas, je l'ai pas écouté, je parlais de moi en arrière. Comme d'habitude. Hey, Mariana, j'explique. Je voulais t'inviter la semaine passée à l'origine parce que la semaine passée, tu as écrit un statut Facebook qui a beaucoup circulé, puis la majorité de tes statuts Facebook font beaucoup réagir. Puis ça m'avait marqué. J'ai trouvé ça super intéressant comme statut. Tu sais de quel statut je parle? Oui. Ouais. Puis j'aimerais ça t'en lire un exemple. On va tout de suite tomber dans le nœud du sujet. Pas un exemple, je vais citer un extrait de ton statut pour les gens qui ne l'auraient peut-être pas vu. Mon public, probablement pas, parce qu'ils ne pensent pas qu'ils sont abonnés à ta page, mais... Non, c'est ça. On n'a pas le même public. S'habillent en noir, puis ont de la classe. Ouais. Pas ça. D'accord. Alors, tu écrivais. Tu parlais de l'émission Bonsoir, Bonsoir, à laquelle tu as participé tout l'été. Tu participes encore. Tu reviens à peu près aux deux semaines. Tu y fais des chroniques littéraires, entre autres. Tu dis, en cinq présences, j'ai jamais sacré. J'ai été à l'écoute, j'ai essayé de modérer mon énergie, j'ai essayé de plaire à un public, au public cible, 45-80 ans. À toutes les semaines, je veux montrer un côté de moi que je n'expose pas souvent parce que je n'aime pas me modérer ma personne habituellement, mais je suis capable de me canaliser, offrir un côté, et ce côté de moi aussi. À toutes les semaines, les madames et messieurs m'insultent sur Internet de façon assez violente. À toutes les semaines, je me fais traiter de folle, d'égomaniaque, de trop heureuse, de trop colorée, de fille qui a pris du poids, de fille qui parle trop fort, pas assez fort. À toutes les semaines, je me remets en question parce que je lis des commentaires tellement blessants, tellement froids, tellement déplacés. Mmh. Et ça, c'est un extrait. Après ça, tu ouais. Continues. T'as lu le plus important. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est vrai, moi, je suis fasciné, hein, parce que chaque fois que je vois des statuts passer de l'émission Bonsoir, Bonsoir, mais ça pourrait être une autre émission aussi, là. Tes présences sont celles qui font le plus réagir. C'est fou. Et quand je les écoute, ils sont, ma foi, corrects. Bien, pas bonnes, mais je veux dire, ils sont pas... ça veut dire, un scandale, ils sont pas... Je comprends, c'est pas matière à scandale. Non. Tu es abonné au scandale, je sais pas pourquoi, mais... J'ai l'impression, parce que je sais pas, on dirait que j'ai plusieurs théories, là. Je me suis penchée sur le sujet souvent. Je pense que... Quand tu prends de la place, donc prendre de la place, c'est pas juste arriver puis bonsoir, juste ma présence, ce que je dégage, la façon que je me présente, mon énergie, le fait que je suis toujours crinquée puis contente d'exister, les gens se permettent plus parce qu'ils se disent « si elle est bien dans sa peau, je peux la varger plus ». Je pense pas que les gens vont insulter quelqu'un qui se fait plus petit, quelqu'un qui est comme « oups, un Simon Boulris va se faire insulter comme moi ». Mm-hmm. Un Simon Boulris va se faire insulter comme moi parce qu'il est tout le temps heureux, positif, il est là, il est crinqué. Je pense que ça dérange le Québécois moyen, pour pas dire le monde, parce que c'est le fun de dire le monde, mais c'est pas vrai que c'est le monde. C'est des gens. Ouais. D'un certain âge. Quel âge exactement? Je pense, 52. Honnêtement, je pense que c'est dans la cinquantaine et plus, parce ouais. que les jeunes, même à cause de ça, trouvent que ça, c'est inspirant. Voudrait vivre ça, être heureux, positif, avoir des opinions, ne pas être gêné de montrer leurs émotions. Mais je pense que plus qu'on vieillit, j'imagine, je sais pas, j'ai peut-être l'impression aussi que c'est une génération qui a peut-être pas pu être aussi libre ou peut-être pas réussi. Ils seraient confrontés par ça? Je pense qu'ils sont confrontés à moi parce que là où j'ai reçu le plus de critiques, c'était dans le cadre de l'émission Bonsoir, Bonsoir, où il y avait Lara Fabian. Et Lara Fabian, tu la vois, « Bonsoir, JP, je suis très contente d'être ici. » Moi, je suis comme, « Lara, t'es mon idole! Ta! » Mm-hmm. Fait que, tu sais, je suis arrivée avec cette énergie-là, mais pas dans le propos. Je pense que le monde aime voir quelqu'un qui ne va pas les faire réagir, qui va juste les faire vivre normal. Dès que quelqu'un arrive avec que ce soit juste mes tatous, je les cache à Bonsoir, Bonsoir. Je me mets... D'ailleurs, pourquoi tu les as pas cachés ce soir? C'est un peu... Je m'en crise de ton émission. mais non, c'est mais, sûr que tu polarises, tu déranges, tu polarises. Mais c'est ma question. Pour
pourquoi je dérange? Je fais une chronique littéraire, Ciboire. Ouais. Ça existe même plus à télé, une chronique littéraire. Je parle de poésie. C'est une denrée rare à la télé. Puis j'arrive en essayant de montrer un autre côté de moi qui est moins pipi, caca, vagin. Puis je veux pas me résumer de même parce que c'est pas vrai que je suis ça. Je te fais un gros résumé grotesque, là. On dirait que t'es en train de débattre avec toi-même, genre. Je... Mais c'est parce que je me pose cette question-là. Ouais. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Puis après, je me dis, d'un autre côté, je fais la balance des côtés négatif, puis des côtés positifs, puis il y a plus de positifs que de négatifs. Le contrôles-tu, ça? Est-ce que, ou du moins, est-ce que tu en es consciente quand tu vas faire ce genre d'intervention-là, que ça va faire réagir? Est-ce que tu le cherches un peu? Non! Ou c'est vraiment juste... Non! Bonsoir. Je suis vraiment... J'ai décidé de faire cette chronique-là parce que je voulais pallier à tout ce que j'avais montré dans les dernières années. Sable dans le vagin, femme ta gueule, dire à Guy Lafleur mon tabarnak. Toutes ces petites affaires-là que les gens ont accumulées puis fait, ben voyons donc, je me sens donc bien agressé. Je me suis dit, gars, je vais passer l'été à aller prendre, qui est une de mes passions, la lecture. Je vais aller parler de chronique, je vais faire une chronique littéraire puis je vais essayer de montrer un petit côté un peu plus lady que je trouve vraiment cool parce que j'adore la mode. Et tabarnak, encore du monde qui se plaint. Puis je pense, mais, que ça confirme, ça va jamais faire l'unanimité. Non, c'est sûr que tu feras jamais l'unanimité, puis c'est correct, mais je me demande... Ouais. Ben c'est correct dans le sens que ça fait partie de ton succès, puis ça fait partie de qui t'es aussi, mais oui. Je veux dire, si t'étais beige, tu vendrais pas autant, puis il y a des côtés super positifs à ça, mais oui. Je te pose la question, disons, là, réponds-moi honnêtement, oui. Est-ce que c'est difficile à vivre? Tu sais, parce que c'est facile de fronter un peu comme « Ah, oh, je m'en fous, mais oui, c'est difficile ça à vivre. C'est pour ça que j'ai fait ce statut-là. C'est très blessant parce que je pile sur des... Moi, quand j'arrive quelque part, et tu me connais depuis le jour 1, quand je suis arrivé sur scène... J'étais là à ton accouchement. Ben, je m'en rappelle, tu te plaignais que je parlais fort dans les loges. Je parle encore j'ai fort été ton premier monsieur fâché. T'as été mon premier monsieur fâché. Bonsoir. Puis tu sais quoi? J'ai jamais voulu changer parce que pour moi, c'est naturel d'être de même et c'est comme ça que je me sens bien. Je fais pas du mal à tes valeurs. Je ne pile pas sur ton intégrité. Je suis juste heureuse d'exister dans parce la vie. Parce que tu polarises pas par rapport à tes prises de position. Non, t'sais. C'est même pas politique. Je suis trop contente puis énergique puis j'aime ça avoir des tatous de pointe de pizza. Ça fait chier le monde. Mais tu vois, c'est drôle. J'en parlais avec ma blonde. Chris, le monde est dingue. Non, mais vous vivez. Mais c'est drôle parce que. Crossez-vous, Calis. On va parler de ta vulgarité tout de suite après. Ça sera pas long. Mais je parlais de ça avec ma blonde après ton statut, puis tu sais, ma blonde me demandait « Ah, toi, ça te dérange-tu si tu polarises ou des fois tu as des réactions? » Puis moi, ça m'atteint pas beaucoup parce que les gens, ils s'attaquent pas à ma personne quand les gens sont fâchés. Alors, ils s'attaquent à mes positions politiques. Très bon point. Fait que genre, je me sens pas attaqué à mon identité. Alors, très bon point, c'est exactement ce qui me blesse, c'est qu'on ne s'attaque pas à un personnage, il y a pas de personnage. Tu me vois dans les loges, tu me côtoies depuis 8 ans, je ne suis pas un personnage. Les gens demandent souvent à Marianne, es-tu comme ça dans la vie? Oui, malheureusement, elle est pareil comme à télé. Puis ça, c'est là où c'est confrontant, parce que quand les gens me critiquent, ils ne me critiquent pas pour un personnage que j'ai fait dans un film, là. Ils me critiquent pour ce que je suis dans la vie, ce qui est très blessant ultimement, parce que tu te dis, ben même si vous chialez, je ne pourrais pas faire autrement. Mais c'est vrai que dans la vie, parce que souvent en humour, des fois, on va... exagérer notre personnage de vie pour le faire un personnage de scène, tu es pas beaucoup moins que ça non, dans la vraie vie. Non, c'est malheureux de constater. Non, et je pense que ça, c'est ma façon à moi de réussir dans ce milieu-là, car c'est très difficile d'arriver quelque part sans carapace. Moi, ma carapace, je vais la mettre quand on va me donner une critique, je vais faire « Oh, crise de ta critique! » Ben non, mais à l'intérieur, je souffre. Mm-hmm. Je vais pas commencer à dire que je souffre à toutes les fois, sinon on va me mettre comme une petite crotte de nez puis je vais plus exister. Mais non, je pense que ce qui blesse le plus, c'est de constater que le monde, même pas moi, personnellement... Certaines personnes, pas le monde, des personnes. T'as raison, j'ai encore fait l'erreur. J'en connais qui t'aiment, là. Oui, absolument. Oui, j'espère. Ouais. Ce serait malheureux. Mais l'humain est fait comme ça, on focus tout le temps. C'est-à-dire, on a un commentaire négatif mais sur ça, puis c'est lui qu'on mais lui voit. Puis je sais qu'il faut pas le ramener à ça, là. Puis je le sais que c'est pas un débat qu'il faut amener, puis... Je veux pas faire une Kanye West de moi-même. Tu vas parler de sexisme? Ben, c'est sûr. Racisme ou sexisme? Sexisme. Ouais. Je suis convaincue que le fait que je sois une femme fait en sorte que ça fait chier, ça confronte. Et en plus, c'est les femmes qui sont confrontées. Hein. Il y a pas beaucoup d'hommes. Les hommes sont en crise. Ah, ça a pris du poids de des grosses boules. C'est les commentaires que j'ai, là. Mais ça, ben ça, le poids, ça me fascine. Parce oh, que le poids, décroché. Pourquoi c'est dérangeant? Mais le poids, hein? Moi, on m'arrête dans la rue. J'ai fait un statut cette semaine. On m'arrête dans la rue systématiquement, à tous les jours, pour me dire « T'es bien plus belle dans la vraie vie qu'à télé. » Mais je te l'ai pas demandé! Puis même si je te l'avais demandé, c'est moi qu'on devrait interner. Ben, je peux pas arrêter le monde dans la rue pour dire « Hey,
télé ou vrai? Mais c'est... Mais attends, revenons, laisse faire le poids. Je veux pas tomber dans le poids. OK, c'est bon. Je veux pas tomber dans le poids. D'accord. Je pense... Je t'intimide, hein? Tu m'intimides en ce moment. Arrête. Je pense foncièrement que le fait que je sois une femme beaucoup trop libre dans qui je suis confronte énormément le monde. Ça ajoute, c'est sûr. Ça ajoute. C'est rare, les femmes Lafleur, qui prennent parole. Je le ramène encore. Je me suis promise de ne plus en parler. Mais Guy Lafleur, je le ramène. J'ai dit, mon tabarnak avec un sourire puis une bine. T'as pas plus festif que ça. Et il m'a mis la main sur la cuisse en me tapant. Puis il a acheté 10 billets le lendemain là, pour mon show à Gatineau. Et j'ai tout ça. T'es vulgaire, tu sais pas vivre. Combien tu paries qu'on met Michel Côté qui dit ça à lui et on fait... C'est ça prie Michel. Oh, il est coquin. Mais moi, je suis une grosse crise de tabarnak qui sait pas vivre. Et c'est là, c'est suite à ça que j'ai fait... Moi, j'ai jamais pensé à ça, là, les affaires de sexisme, parce que j'ai toujours bien réussi dans ma carrière. Je suis très chanceuse. Et aussi parce que j'ai l'attitude d'un gars qui s'en calisse. M'en fout, critiquez-moi, m'en faire pareil mes affaires. Mais là, là, j'ai réalisé à quel point... J'ai ouvert les yeux et j'ai fait... Oh, shit. OK. Il y a un double standard. Il y a un double standard et je suis Sam Breton est énergique comme moi, puis on trouve ça sympathique. Moi, je suis énergique comme Sam Breton, puis on fait... C'est vrai qu'aux Oliviers, Sam Breton avait fait une présentation assez vulgaire, puis ça a été noté, mais jamais autant que pour toi. Je dis Chris une fois, et on me met au bûcher. Ouais. Mais après... Mais t'es-tu vulgaire? Si seulement, c'est ton spectacle, es-tu vulgaire? Non. Mon spectacle est vrai. Fait que tu le sais pas que t'es vulgaire. Mon spectacle... Je te pose la question. Ah ouais, ben oui, t'es vulgaire, mais c'est pas une problématique en soi. Non. C'est pas un problème en soi, vulgaire, mais t'es vulgaire. Je ne suis pas totalement vulgaire. Je ponctue mes phrases par des sacres. Si c'est ça être vulgaire, oui, je le suis. Mais je parle de sexualité comme ça existe. Ouais. Je dis le mot masturber, puis pas douner. Pourquoi je veux dire douner? C'est masturber, du cross, là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu le mot douner. Mais j'ai l'impression qu'on me dit que je suis vulgaire parce que j'emploie les mots sans les rendre métaphoriques. Juste la phrase que je viens de dire, man, c'est fucking cool, là. De pouvoir le dire, j'ai dire. J'ai du vocabulaire. Ouais. Mais on oublie toute ma phrase avec du beau vocabulaire. Non, je suis encore sur Douné. Et on retient Douné. Voilà, t'es exactement le public cible qui me fait chier à bonsoir, bonsoir. Ouais, je sais. Mais... Je me suis créé des faux comptes pour écrire. Non, mais... Je suis sûr. Ouais. Vous applaudissez. La première clap de mon entrevue, c'est ça. Sérieux? Oh, vous êtes whack, pour vrai. Hey. Je sais pas s'il y a de vulgaire, hein? Je suppose. Ben, en fait, pour moi, c'est que c'est pas tant j'ai un problème. J'ai une forme de vulgarité. Je pense que j'ai une forme de vulgarité parce que c'est ma façon à moi de confronter. On fait pas la révolution en restant à la maison, hein? On fait la révolution en sortant dehors puis en pétant quelques petites vites une fois de temps en temps. Ben, moi, j'ai envie de péter des petites vites en faisant des petits « Ah, vagin, ah, noun, ah, caca ». Puis si c'est ça, la vulgarité, et ça peut ouvrir les portes à d'autres personnes après moi à pouvoir dire ces gags-là et à les assumer sans faire « Oh, ben, c'est un gag », ça peut aider quelque chose. Humoristiquement, si les personnes plus âgées arrêtaient de réagir quand on dit « caca », on arrêterait de le dire. Ben, humoristiquement, on dit des mots pour faire réagir. Fait que... Ben, c'est ça. Sinon, ça serait plate, le show aussi. Ben, on assisterait à ta conférence. À quoi? Fallait que je la sorte. J'ai eu ma claque! Ben oui, j'allais te le demander, qu'est-ce que je devrais faire. En fait, des fois, je suis un peu jaloux, mais je ne suis pas sûr que j'accepterais d'en payer le prix à ce point-là, mais je suis un peu jaloux comment tu réussis à susciter des réactions chez les gens. Tu sais, j'ai pas l'impression d'être beige, mais clairement, si je suis sur un plateau, c'est pas moi qui fais réagir. Tu sais. Puis des fois, je suis un peu jaloux. Aux Oliviers, comment tu... Je pense que tu as un talent naturel à comprendre la chose à dire qui va faire réagir. Et à ce je moment-là. Suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je sais exactement ce que je fais. Je contrôle tous les paramètres de mes affaires. C'est pas spontané, là, je me fais un bat puis je chill. Là, derrière mon affiche, derrière le titre, Femme ta gueule, c'est quand même un titre avec un jeu de mots. Mm-hmm. Mais Femme ta gueule, avec tout ce qu'on vivait, avec le hashtag MeToo, avec la parole des femmes, avec les filles ethniques, j'ai fait tabarnak, c'est donc bien parfait. On va pouvoir répondre à tous les critères qu'on me demande. Après. Je pense que je comprends la game, mais surtout, je l'aime, cette game-là. Hein? Je suis bonne là-dedans. Je suis une bonne joueuse d'échecs, mais au-delà mais de ça... Mais je te souhaite d'être bien pour de vrai là-dedans, parce que... Si j'étais malheureuse, je suis trop vraie pour rester là si je suis plus heureuse, mais je l'ai toujours dit, je ferais pas de l'humour toute ma vie. Je fais de l'humour en ce moment parce que ça me fait du bien, et surtout parce que... C'est payant. Même pas l'argent. Je savais même pas que c'était payant. Je sais pas, j'ai vu ton condo en vente, là, puis je sais que tu déménages. Il est bon en Chris, hein? Ouais. Il y a une chambre de bébé, ça a fait réagir. Ben, écoute, c'est un petit rêve.
Mais tu l'as stagé. Là. Non, mis une c'est de la bébé. Chambre de bébé d'ancien propriétaire parce qu'en bas, c'est mes vêtements que j'aime beaucoup puis je voulais pas que le monde les voie. Ah, je pensais que tu avais fait une chambre de bébé pour la vendre. Je suis pas assez intelligente pour faire ça. Non. mais je pense, honnêtement, je prends jour au jour. Il n'y a pas une journée où je me remets pas en question, mais il n'y a pas une journée où je fais « Ah, j'ai-tu trop été intense? » OK. J'ai-tu... C'est sûr. Ce qu'on ne sait pas, ce qu'on pense pas. On n'a pas l'impression que tu vas faire ça. Non, les gens pensent que je fonce dans le vide, puis « Hey, les gens vont s'arranger avec ça. » Tu doutes aussi comme ça. Je doute énormément. Je fais beaucoup d'anxiété là-dessus. J'ai pris des antidépresseurs pendant 2 ans pour gérer mes hypes et mes dents d'après-chaud. Et ça fait maintenant 2 mois que j'en prends pas. Et je revois le monde et je recommence à avoir mes anxiétés que j'avais pas pendant 2 ans parce que j'étais dans un rythme qui était effrénant. Je te pose une question. Je vais finir ma phrase. Non, une année, ça finit, ça suffit. C'est mon émission. Je vais closer juste cette phrase-là, Louis. Non, je close. Non, okay. OK, vas-y. Vas-y. Mais il est Asperger. Il dit dans ses shows. Ben oui, puis toi, t'es grosse. OK, vas-y. Mais ça, tu vois, pour ça, je trouve ça drôle. Mais il y a du monde qui va t'écrire. Je t'ai enverré. Ouais. Je ne doute pas de ce que je fais. Je le fais. J'ai la face d'Éric Lapointe de tatouer sa cuisse. Je regrette pas. Non, je te donne un bon exemple. Je le regrette pas. Je le regarde en riant puis en faisant, c'est pas grave. Parce qu'éventuellement, je vais crever. Et je suis très conscient des trop lucides que j'ai un passage sur Terre et qu'éventuellement, j'aurai pas la santé, j'aurai pas la force physique, je vais plus avoir la lumière qui brille sur moi. Il y a quelqu'un qui va arriver de plus vive, de plus intense, de plus drôle. J'espère que non. Ah non, ce serait toi plus intense que toi. Suicide. Ah ouais. Tu te tires une balle. Mais j'avais une question que je voulais te poser pour de vrai parce que ça me trottait en tête aujourd'hui. C'est un souvenir qui m'est revenu. Je te le pose, puis après ça, je t'expliquerai pourquoi. Mais ouais. Est-ce que tu es mauvaise perdante? Ah ben oui. Ouais. Oui, absolument. Parce qu'on a vécu, c'est quoi un peu similaire, mais on l'a vécu différemment. Par contre, aux Oliviers, si tu es il y a 2 ans, aux Oliviers, tu étais... 2 ans. Il y a 2 ans. Tu avais 5 nominations aux Oliviers. Comme toi. Tu étais la favorite. J'en avais 4. C'est-tu vrai? Je pensais que tu avais d'autres. J'ai perdu les 4. Toi, tu en as perdu 4 sur 5. Tu en as gagné un, qui était le prix du public, qui est comme le plus gros prix aux Oliviers, mais qui n'est pas un prix du milieu. Mm. Et le lendemain ou le surlendemain, tu as fait une sortie. Je ne sais pas comment ça s'est passé de ton côté, mais dans les médias, on en a parlé. T'étais fâché. Ah, j'étais pas fâché d'avoir perdu. J'étais fâché que les gens aient mis un hype sur moi. J'ai passé 2 mois de ma vie là, à faire des entrevues sur le fait que je suis nommée 5 fois, que je suis la favorite, que je vais tout... Avant le gala des Oliviers, te rappelles-tu, je suis allée te voir, puis je te dis, hey, c'est malade, on est nommé, puis tu m'as dit, tu vas tout gagner, je suis sûre. Ouais, c'est... Mais ça, là, ça te rentre dans la tête, puis je suis une fille passionnée. Puis quand t'es quelqu'un de passionné, puis qu'on te dit, t'es belle, tu vas l'avoir, puis tu l'as pas, t'es en tabarnak. C'était pas par rapport à moi, c'était par rapport au hype qu'il y avait autour de moi. Et aujourd'hui, je prends du recul, et oui, je suis encore en crise. Ouais. Mais moi, mais là, c'est là-dessus qu'on va se ressembler. Là. Moi, je partage ça. Moi, j'ai décidé de plus jamais aller de ma vie d'un gala. Vous ne me verrez plus jamais d'un gala. Parce que moi, tu veux plus vivre ces émotions-là. Je veux plus vivre ces affaires-là. Je comprends. J'ai perdu 4 Oliviers cette soirée-là. T'as pas perdu 4 Oliviers. T'es juste pas eu. Parce qu'on les avait pas donnés. Non. Puis il y en a 3 là-dedans que j'ai bien vécu, même si, tu sais, quand ils disent, tu t'espères quand même un peu. Mais il y en a 3 que je comprenais très bien, je m'attendais pas. Puis il y en a 1 que j'ai perdu que je crois que je le méritais. Puis ça m'a brisé. Puis j'étais fâché contre la personne qui l'a gagné. Et c'est une personne que j'apprécie qui l'a gagné. Oui, c'est Simon Leblanc pour texte. Exactement. C'est texte. Ben j'étais fâché. Puis ça m'a fait chier de vivre ça. Et après le party, au party des Oliviers, j'étais amer et j'étais pas positif. J'étais vraiment chialeux et j'étais fâché. Tu veux plus voir demain. Je veux plus jamais vivre ça. Ben, tu sais quoi? Moi, ce qui me fâche, c'est pas tant les trophées que quand on parle de ça, les gens fassent « Bon, regarde là, qui se plaint des trophées. » C'est ça, ma vie. Faire des jokes, puis à un moment donné, il y a un gars là, puis il disait « Hey, ça se peut qu'on te récompense. » Oui, oui, c'est le public, les récompenses, puis ci, puis ça, tout ça. Mais... Moi, je suis une fille sportive. J'ai joué au soccer pendant 8 ans. J'ai été toujours première de classe. J'ai toujours voulu avoir des bonnes notes, pas par rapport aux autres. Moi, j'ai vécu ça en faisant de la psychanalyse, que ma mère voulait tout le temps que je sois la meilleure. Puis j'arrive dans un milieu avec des égos démesurés, dont j'en fais partie, vraiment beaucoup. Et t'arrives là, t'es la fille favorite. Là, on te parle que t'es la seule fille. Puis là, on te parle que c'est le féministe. Puis là, on te parle que c'est donc même une révolution. Puis là, t'arrives, puis tu fais « Et d'un? » Et non. De 2, et ouais. De 3, et de 4. Moi, à la fin, j'étais comme, moi, je crisse mon camp. Mariana Mazza, choisie par le public. Et moi, dans ma tête, tout le long, je me disais, ils ont voté pour moi parce que j'ai pas gagné les autres. Ouais. Ils ont pas voté pour... Dans ma tête, je me disais ça. Mais après, je passe à autre chose. Mais ce que je trouve déplorable, c'est que quand on parle de trophée,
j'entends d'autres humoristes dans ma tête, là, déjà là, en train de chialer en faisant là, on s'en crisse des trophées. Ben, quand tu seras nommé 5 fois dans une année où est-ce que la femme a été crissement importante, là, tu viendras me reparler. J'ai trouvé ça frustrant et pas de ne pas avoir gagné. C'est de me dire, Chris, les autres humoristes n'ont pas voté pour moi. Ils sont même pas venus à mon show. Moi, je vote même pas aux Olivier, fait que ben, c'est ça, pas tu fais partie du problème. Non, mais je vote pas. Non, mais moi, je vote pas. Tu fais partie du problème, c'est à cause de toi qu'on gagne pas. Non, mais non, c'est pas vrai. C'est parce t'as pas que moi... voté pour toi? Non, je vote pas. Parce mais t'aurais que... dû voter pour toi, t'aurais moi... pu gagner. Non, mais ma gérante, arrête pas, elle dit genre... C'est qui, Nono? Non, mais elle... ben, non, mais ma gérante, elle dit, tu devrais, tu sais, on reçoit les bulletins de vote, là. Puis elle dit, vote, je fais comme, mais je peux pas, j'ai pas vu tous les spectacles. Mais c'est une très belle ça sent pas de bon sens, je peux... Mais alors, tu réponds à ma question. Je pense pas que les Olivier, je pense que l'humour, et c'est là où est-ce que j'en viens à cette conclusion-là en ayant réfléchi de façon mature, pour de vrai, je suis pas une mauvaise perdante. Je pense que je veux être une bonne gagnante. J'aime gagner, j'aime être applaudie, j'aime être aimée par les gens que je divertis et les gens que je côtoie, j'aime être admirée. J'aime ça sentir que d'autres humoristes disent « c'est vraiment cool ça, ça me flatte, ça me donne envie d'être meilleure, puis je ne m'identifie pas par rapport aux autres. C'est moi, mon moteur à moi. Il m'appartient. » Écoute, Mariana, je te souhaite d'en gagner des prix et des trophées. J'en veux tu pas. Me le diras après parce que je les écouterai pas ces gars-là. Fait que la prochaine fois... Mais t'es, moi, t'es nono, pas. Mais t'es nono de ne plus vouloir. Non, j'ai dit, je vais envoyer ma blonde, je vais y écrire un carton puis elle va le lire devant les gens parce que moi, je peux plus vivre cette affaire-là. Fait que c'est moi, c'est décidé. C'est-tu vrai à ce point-là? Oh, oui, c'est vrai. Moi, c'est juste pour le kit, by the way. Je trouve les humoristes s'habillent pas bien puis j'ai toujours le plus beau kit puis moi, c'est mon trophée dans la soirée. Mais toi, mais c'est sérieux, vrai. On va se le donner. Non, j'ai les plus beaux kits. Fait qu'à partir de là, ben, m'en fous. Tu réussis à gagner le tapis rouge. La demi-heure avant, tu gagnes toujours. C'est la moindre des choses. Ouais. Merci, Mariana. Merci tout beaucoup. Le monde. Bonne soirée. T'as pas d'autres questions? Ben non, mais c'est par respect pour les autres. Parce ah, que dernière, oui, je sais que tu pourrais parler. Je suis là. Tantôt, Mariana, dans les coulisses, elle me demande, est-ce qu'après mon entrevue, je m'en vais? Puis je fais comme, j'espère. Hey, mais vous savez quoi? Vous pensez peut-être qu'il est méchant, mais il est pas méchant pour vrai. C'est de l'amour, parce qu'il m'admire, puis il aime beaucoup qui je suis. C'est juste qu'il est pas capable de le dire. T'es pas capable de donner de l'amour, Louis. T'as un problème, t'es coincé. Ah, comme ça, si t'avais oui. Un petit noyau d'olive de prix dans ton corps. Faut te le faire sortir. Faut te faire une petite, un short slap, comme Undertaker. Ouais. Tiens, de même. Excuse-moi, ton public sait pas c'est quoi la lutte. OK. Hey, Mariana, okay. Dépose ton micro puis va-t'en en arrière pour présenter l'invité. Ouais. Ben, je sais que tu vas trouver. Mariana Mazza. Ah non, mais c'est pas de la musique qui présente l'invité. Là. Merci, Mariana. Non, va-t'en. Non, mais je vais aller derrière pendant l'invité, fait que c'est correct. C'est merci, c'est gentil. Elle pense toujours aux autres. Bon, je vais pas parler beaucoup, hein. C'est rare que je pogne quelqu'un qui parle plus que moi. Ma prochaine invitée, c'est drôle parce que j'essayais de réfléchir comment la présenter après-midi, puis là, je me disais, c'est une humoriste qui s'assume, et là, je fais comme, une humoriste qui s'assume, ça fait tellement, c'est un peu patriarcal, c'est un peu comme genre, une femme qui s'assume, c'est comme si j'étais comme fier qu'elle fait ça, fait que là, je me suis demandé comment je présenterais un humoriste homme. Alors, mon prochain invité, c'est un bon ami à moi, Mélanie Ganimé. Oh, Louis m'a touché, c'est déjà beaucoup ce bonsoir. Vous allez bien? Oui. Oui, êtes-vous dans le mood de rire, là? Oui. On est dans... Avez-vous établi les faits sur toute vérité, bonne à dire, la vulgarité est correcte, on passe tout est fait, vous avez éclairé ça? Oui. Oui. Bonne voile avant de faire un stand-up, très contente qu'on ait éclairé ça dans l'air. Moi, je suis célibataire, je dois pas être la seule par applaudissement. Qui ici est célibataire? Oui. OK, ben bravo. C'est par applaudissement, mais ça finit les bras dans les airs. C'est parfait, c'est correct. Tu comprends ce que tu veux dans ce que je dis. Ben OK, d'abord, par applaudissement, ceux qui l'ont déjà été, mettons. Ah, ça, c'est ça. On est pareil. Mais on va se dire, c'est le fun d'être célibataire, pareil. C'est cool, c'est cool, le célibataire, tant que t'as du sexe. Sinon, t'es juste une personne seule ou un Yves désagréable. Je sais, je suis désagréable depuis septembre 2016. C'est juste que je trouve que quand t'es célibataire, la sexualité, je trouve que ça devient rapidement le festival de la baisse de marde. Tout le monde ici a déjà eu des baisses de marde. Tout le monde, même les gens en couple, vous en avez déjà eu. Ben oui, vous en avez, les gens en couple, des baisses de marde. Ben oui, tu sais, la baisse que t'as parce que tu te dis, ouais. Mais t'as pas entraîné aujourd'hui, ça fera au moins ça.
Vous dites la baisse que t'as parce qu'il n'y a vraiment rien de bon à TV. Finalement, pendant que tu baisses, tu regardes pareil la TV. Et tu changes de poste. Hein? Mais moi aussi, j'ai déjà été une baisse à marre. Moi, c'est vraiment gênant à dire. Mais moi, je me suis déjà endormie pendant un cunnilingus. C'est pas moi qui le faisais. Mais non, mais c'était chaud, langoureux. On aurait dit qu'il me chantait une berceuse dans la plume. Et je me suis réveillée à cause de mes propres ronflements. Puis tu sais, des fois, tu te réveilles, t'es mêlée. J'ai fait le saut, je me suis mis à crier. Je pensais que j'étais en train d'accoucher d'un adulte. Non, mais c'est parce que c'est difficile de tomber sur quelqu'un avec qui ça fit. Pour vrai, tu sais, quand tu te retrouves, là, avec le genre de gars qui te touche juste avec les petits boussettes de ses doigts. Tu sais, il n'y a pas les petits boussettes, il n'y a pas de pompe. Lui, il caresse puis coche. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Tu sais, parce que lui, il est convaincu que nous autres, les filles, on triple là-dessus, les équivoses, hein? Tu sais, tu comprends? Tu sais, lui, des seins, il flatte pas ça. Il est dévisse, tu comprends? Je suis sûre que, tu sais, quand je parle, tu sais, genre de gars qui est convaincu qu'il est un DJ dans sa tête puis essaie tout le temps de faire du scratch ton clitoris, là. Il est comme... Excuse-moi. Ça, c'était aveugle de le fendre en deux, mon clitoris, là. Hein? Puis tu dois pas être un super bon DJ si à l'oreille, tu fais pas la différence entre... Ah! Puis... Oh! Il faut que tu respectes la vulve, man. Non, mais moi, je dis vulve, là. J'aime pas ça, le mot vagin. J'aime pas ça, vagin. Il y a du monde qui dit plot, franchement, plot. Je sais pas c'est quelle graine qui a pensé à ça. Moi, les gars, c'est beau, pénis. Ben oui, c'est beau, pénis. On dirait une épice grecque. Prendriez-vous encore un petit peu de pénis? Oui, s'il vous plaît. Ça sera plus jamais pareil au restaurant. C'est beau, pénis, mais ça vient avec l'attitude dans ta barouette. À moi, à ma dernière date, le gars, il est venu me voir et il m'a dit: viens ici que je t'impressionne. Il a baissé ses culottes puis il s'est mis à faire l'hélicoptère, là. Tac, 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 tac. Ah. Vole pas très haut de ton hélicoptère, hein. Puis en plus, c'est un drôle de modèle. Non, mais non seulement il était court, mais au bout, il était pointu. Il avait un pénis isocèle. Non, mais il était weird. Lui, il voulait que je garde mes bottes pendant qu'on couche ensemble. Il me disait: garde tes bottes, ça fait plus cochon. En vinyle noir, mi-cuisse, OK, mais des Kodiaks! Il dit: fais tout ça pas avec tes bottes, m'a désenlevé, j'ai un fétiche de pied. Moi, je peux pas t'exciter si je te lèche pas les pieds. Je dis: mais Chris, moi, je peux pas t'exciter si tu me lèches les pieds. Ça s'annule. Hein? Imagine, je ramène un gars chez nous, il tripe solide sur mes pieds. C'est insultant. Nasty, c'est l'affaire qui est la plus loin de ma face. Non, pis si tu penses me ramener les pieds, broche la tête, me frencher, tu me surestimes, chose, là. Après, il dit: OK, d'abord, il dit: moi, je serais prêt solide à qu'on fasse un 69. Je suis comme: qu'est-ce que tu me donnes en échange? Hey, c'était un compromis, faire un 69. Il n'y a pas une fille qui est confortable d'être assise sur un visage. Tu verras jamais une fille rentrer au Bro Martineau. Ben, elle dirait: vous auriez pas ça avec les éboilles avec la face de quelqu'un? Mais non. Non, mais j'ai fait un petit sondage dans mon entourage. Puis en général, les filles, ben, on n'aime pas ça tant que ça, faire ça, hein? Là, je sais qu'il y a des gars qui me regardent en ce moment qui sont comme: mais toi, la fin de semaine s'en vient. Chris, brise pas ça! Il faut qu'on en parle, c'est terrible, 69, c'est épouvantable. Puis là, je sais qu'il y a peut-être des gens qui sont comme: oh non. Là, on va se mettre à parler de 69, on va dire le mot pénis plein de fois, ça me fait une image de pénis dans ma tête. Si je suis assis à côté de ma belle-sœur, moi, je suis pas bien. Regarde, on va mettre de quoi au clair tout de suite, ta belle-sœur, déjà vu des pénis, OK? Non, peut-être déjà mangé. Peut-être même aujourd'hui, puis quand t'es arrivé ce soir, tu as donné deux becs et il joue. Fait que passe à autre chose, OK? Mais faut que ça se sache, c'est terrible, à 69. Écoute, t'essaies de donner du plaisir en essayant d'en recevoir. Tu essaies de rouler des sous-chasses autant en parachute, toi? Le sexe oral, c'est nice. Faire des pipes, c'est cool? OK, on se connaît pas tant que ça, collègue! C'est correct! Là, j'ai l'air de t'annoncer que j'aime ça faire des pieds comme si je t'annonçais que j'aime ça à lasagne, mais j'aime ça à lasagne! Mais là, je suis pas en train de dire j'aime ça faire des pipes, j'en ferai à n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, un instant à tout le monde. Une pipe, c'est un cadeau qui se mérite. C'est pas un prix de présence, OK? Là, je sais qu'il y a des filles qui aiment pas ça faire ça. Il y a des filles qui sont comme: oh non, moi, je mange pas les quatre pieds, pain, pâte, pénis, patate. Non! Pis c'est correct, pour vrai, si t'aimes pas ça, y a pas de trouble. Moi, ça me dérange pas. Le problème, c'est le 69 qui fuck le projet.
Non, mais parce que si on se dit les vraies affaires, là, le gros problème avec le 69, là, c'est le paysage. Non, mais parce que moi, une fois que je t'ai installé, là, je sais, tu me checkes direct dans le mini-oui, je suis pas bien. Je fais de l'anxiété. Je te dis, je fais de l'anxiété, le 69. Je te dis, mon angoisse commence dans le virage. Tu sais que t'es en train de te tourner dans le lit, t'as un bras pis une patte à midi, mais dis, écoute, t'as la tête à 3 heures. Moi, j'ai juste le goût de crier, on pourrait-tu avancer l'heure, assis? J'ai dit au gars, ça peut pas être le fun, c'est comme aller faire de la plongée sous-marine avec un tuba à l'envers, venez pas m'étouffer. Il dit, ok, d'abord, mais dis-moi d'abord, je serais prêt solide dans un golden shower. Je suis comme, hey. Je suis comme, hey, 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 je suis locataire, moi, ici, là. J'ai pas le droit d'avoir de gros chiens, hein? C'est ça. Mais là, il m'a expliqué qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais j'y ai dit, pourquoi tu voudrais qu'un chien me pisse dessus? Il a jamais revu, il a jamais revu. Non, mais c'est compliqué, rencontrer du monde, c'est compliqué. Tinder, c'est une excellente façon de se rendre compte que l'humanité va pas bien, ça? Je me suis déconnectée. Je sais pas pourquoi. Je savais même pas que ça se pouvait. Il y a des gars sur Tinder, ils changent leur nom. Je suis tombée sur un gars qui s'appelle Petit Motard. Ça arrivera pas, Petit Motard, là, hein? Tout ce que je vois dans ma tête, c'est un petit pénis joufflé avec un casque de moto. Mais non, mais non! Je suis tombée sur un gars qui s'appelle Mou. Le gars, il s'appelle Mou. Gaz, parce que c'est un petit peu ça qu'on essaie d'éviter, là! Tu sais, mais mettons, son vrai nom, c'est Mustapha. Il a pas pensé prendre Staffa? Non, mais je sais pas pour vous, mais moi, faudrait que tu me payes dans la vie pour que je crie « Ah, c'est bon, Mou! » Tu sais, je peux pas croire que je suis tombée sur un Sébastien qui s'est appelé Seb Ass, en guillemets. Oh! Seb Q, tu sais, vraiment, vraiment. Tu sais, t'es pas coquin. T'es pas coquin parce que t'as mis Q dans ton nom, chose. T'es pas coquin, là. Ça attire pas les filles de mettre Q dans ton nom. Le contraire, ça marche. Moi, j'ai jamais reçu autant de messages que quand je me suis appelée Mélanal. Sur cette magnifique blague d'Anal, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup, tout le monde. Merci de belle fois. Est-ce que Louis écoutait... Mélanie Ganimé! Hop! Mélanie Ganimé! Oh, tabarouette! Ah, Louis Carré! Mélanie Ganimé! Bravo! Bravo! Bon, mesdames, pour le dégât de Louis, tout le monde! Merci, Mel. Merci. Merci! Ah, voyez, c'est pas de la télé. Elle m'a surpris avec son dernier gag, je l'avais pas vu venir. Bonsoir. Ben, Colin, hein? OK! Il faut que je travaille mes transitions, ça va s'améliorer. Je vous parle un peu de mes trois invités, mais avant de les accueillir, il faut que je vous dise un peu. On va parler... En fait, l'idée m'est venue la semaine dernière, après la table ronde qu'on a faite avec trois femmes qui nous parlaient de la vague de dénonciation, de faire le même exercice, mais avec des hommes, sauf que je trouvais que c'était important de bien le clarifier, que ce n'est pas une réponse, évidemment. C'est une suite à cette discussion-là, parce que je voulais... Ce n'est pas une question d'avoir le point de vue face de trois hommes face à ce qui s'était dit, parce qu'on pense que c'est encore très important de donner la parole aux femmes, puis c'est celles qui doivent l'avoir le plus en ce moment. Mais on pense qu'on peut aussi amener quelque chose d'intéressant à voir ce que les gars, comment les gars ont vu ça, puis peut-être même s'adresser aux autres gars qui seront à l'écoute. Je spécifie, je sais que c'est sérieux ce que je dis, mais c'est parce que c'est important de bien mettre la table, parce que c'est assez sensible, c'est un peu miné comme terrain aussi. Je spécifie que... on ne veut pas nécessairement des applaudissements par rapport à ce qu'on va dire. On n'est pas ici pour paraître des héros qui comprennent, qui sont meilleurs que les autres, parce que c'est un peu particulier en ce moment comment les femmes qui se prononcent sur les réseaux sociaux, que ce soit un témoignage de victime ou bien juste se prononcer par rapport à ces sujets-là, reçoivent beaucoup, beaucoup d'insultes. Puis quand un gars le fait, habituellement, il reçoit au contraire, lui, beaucoup, beaucoup d'applaudissements. Fait que je suis pas en train de vous dire de ne pas nous applaudir quand je vais les recevoir, mais je veux dire, il y a une humilité et une conscience dans ce qu'on est en train de faire, qu'on n'est pas parfait et qu'on n'est pas en train de vouloir jouer au genre d'héros. C'est ça que je pense que tout le monde a compris ce que je suis en train de dire? Oui? OK, super, parce que moi, je n'ai pas compris. Ça en fait. Je les présente tous les trois, puis après ça, vous pourrez venir vous asseoir. Venez donc! Venez donc vous asseoir, ça va être plus simple. Je vais vous accueillir tout de suite Marc Cassivis, Ismaël Sec et Philippe Léger, mesdames et messieurs.
pense que je les ai pris par surprise. Ah oui. Venez vous asseoir, peu importe les trois chaises sont à vous. D'ailleurs, on m'a souligné la semaine passée que c'était un peu particulier que j'ai un espèce de trône de roi quand les trois femmes étaient assises, elles, sur des chaises cheap. Mais regardez, c'est juste pour dire que je me pense supérieur à tout le monde, des gars aussi. Mais c'est parce qu'on a vraiment cherché beaucoup dans le collège d'avoir d'autres chaises, puis on ne les a pas trouvées. J'aurais peut-être dû prendre une chaise rouge la semaine passée aussi. Hein? C'était-tu marquant? C'était-tu flagrant, Jean? J'ai remarqué que c'était très royal ouais, la semaine passée aussi. Bon, on s'améliore. OK, je vous présente celui qui vient de parler, c'est Marc Cassivi, journaliste à la presse, ennemi juré des Québécois francophones nationalistes et auteur d'un texte sur la culture du silence dans le milieu artistique. C'est la raison de sa présence aujourd'hui, mais aussi parce que c'est l'ennemi juré des péquistes fâchés. Ça me le rend sympathique. Philippe Léger ici, qui est fils de Jean-Marc Léger. Je le mentionne parce que c'est Léger Marketing. Ça explique sa passion pour les stats et les sondages. C'est pas sa faute, c'est génétique. Il est chroniqueur au Journal de Montréal parce que ça me prenait quelqu'un d'extrême droite pour balancer le panel aujourd'hui. Ismaël Sec, enseignant... Sec ou... Sec. Sec, oui, OK. Enseignant en adaptation scolaire, ancien candidat de Québec solidaire, maintenant plutôt connu pour s'être fait dire de retourner dans son pays par Benoît Dutrisac, auteur d'une lettre dans le Huffington Post invitant les hommes à se parler de violences sexuelles, et c'est la raison pourquoi aujourd'hui je t'ai invité, mais aussi parce qu'on a quelque chose en commun, Benoît Dutrisac nous déteste. Alors... toi aussi? Ben oui. Ouais. Il y a beaucoup... Bienvenue dans le club. Ouais. Gros club, honnêtement. Si je vous demande à brûle pour point comme ça, comment vous êtes senti par rapport à cette vague-là quand ça a commencé il y a, disons, deux semaines? Ça a été quoi votre premier réflexe, votre première réaction quand vous avez vu cette liste de noms, cette vague de dénonciations commencer sur les réseaux sociaux? Comment vous êtes senti? Pour ma part, en fait, je suis beaucoup parti de qu'est-ce que j'ai vécu avant avec Black Lives Matter aussi. C'est que avant aussi, à cause de ce mouvement-là, on a vécu beaucoup de stress, pour ma part, j'ai dû faire beaucoup d'éducation aussi avec ça. Et là, je voyais mes amis, des femmes, en fait, devoir faire de l'éducation aussi sur leur réalité que les gens ne comprenaient pas et aussi qui vivaient du jugement tout en faisant cette éducation-là. Alors, j'ai fait le lien un peu avec qu'est-ce qu'on a vécu avant avec le mouvement Black Lives Matter aussi. J'ai eu un clin d'œil aussi pour mes amis qui sont des femmes noires et autochtones aussi, qui ont vécu Black Lives Matter et là, qui vivent ce mouvement-là aussi. Alors, cette double problématique-là. Et je me rappelle d'une discussion particulière que j'ai eue avec une amie, en fait, qui m'a dit, « Ben moi, cet enjeu-là, Black Lives Matter, je ne me sens pas concerné par ça parce que ça ne me touche pas directement. » Puis après, ça m'a fait réfléchir à qu'est-ce qui se passe en ce moment avec la vague de dénonciation. Et il y a des enjeux comme le racisme, on se dit, c'est un enjeu de minorité. Et les violences sexuelles, on se dit que c'est un enjeu de femmes, alors que c'est totalement faux. C'est des enjeux de société qui concernent tout le monde. Et moi, je pense que tout le monde devrait s'intéresser au racisme, mais tout le monde devrait s'intéresser aussi au sexisme et aux violences sexuelles, et notamment les hommes. Ouais. Très bien dit. D'abord. Ça mélange aussi d'être un peu surpris par le nombre, parce que c'est quand même assez imposant quand tu es sur tes médias sociaux puis tu vois le nombre de personnes qui témoignent. Mais en même temps, quand tu as un côté surpris, puis tu as un côté qui n'est pas trop surpris, parce que tu le sais qu'il y a une structure de domination, homme contre femme, et ça engendre tout plein de discussions que tu n'as pas nécessairement avec tes amis, avec ta copine, que ce genre de cette prise de parole-là occasionne. Avec ta copine, est-ce que tu as une blonde en ce moment? Oui, une copine. Moi, ma blonde, là, mini-anecdote, là, je suis arrivé il y a quelques jours, mettons, j'arrive à ma blonde, je fais comme, ah, je ne sais pas comment te le dire, j'ai de quoi te dire, puis j'ai changé d'idée pour la climatiser, je voudrais que ça soit genre... Puis là, je te parle de ça, puis elle fait... Tabarnak! Je pensais que tu allais me dire que t'es saliste. Genre, je fais non, c'est vraiment des Renault, j'ai choué. J'ai comme excuse. Ça fait partie des. À me demander, t'as-tu des choses que tu regrettes? T'as-tu ça? T'as-tu fait des affaires comme ça? On a eu ces conversations-là. Oui, je pense que c'est l'idéal de les avoir, mais c'est surtout sur. Je pense que le climat qu'une femme peut endurer quand la normalité. C'est anormal, ça devient normal, le comportement. Quand ma blonde, ma copine, elle me disait, tu sais, moi, quand je rentre dans l'auto, je regarde toujours en arrière.
Moi, à 2 h du matin, quand je reviens, j'ai peur dans la rue. C'est tout plein d'anecdotes qu'elles vivent, que les femmes vivent en général, que moi, comme gars de 25 ans, j'ai jamais eu ces peurs-là. J'ai jamais eu ces réflexes-là de regarder dans mon miroir pour voir s'il y a quelqu'un en arrière. J'ai jamais eu le réflexe de demander à ma copine « Hey, peux-tu avoir ton téléphone ouvert à 2 h du matin sur ta sonnerie parce que j'ai peur quand je marche tout seul en revenant d'un bar? » Où tu vas faire du jogging? Quel chemin tu vas prendre? « Ah, il fait trop noir pour courir. » C'est le genre de discussion. Puis même plus largement, je crois que ça a occasionné aussi une discussion avec bien les gars. De savoir, moi, je viens d'un milieu d'hockey, je joue au soccer, je joue au hockey, mais surtout au hockey. De 13 à 20 ans, j'étais dans des chambres de vestiaire d'hockey chaque jour de ma vie. Littéralement chaque jour de ma vie. Des choses qui n'ont pas de sens, qui ont été dites. On dit les locker rooms, les discussions de cas. Ouais. C'est ça, tu sais. Pour moi, c'est une aberration. Quand on parle de si la culture du viol existe, qu'on a ces grands questionnements-là. Une étude sociologique dans un vestiaire d'hockey en dit assez long sur le vocabulaire utilisé. Parce que quand je dis structure d'oppression, ça se témoigne que ça s'incarne dans 1 million de petits trucs, dans le vocabulaire. Quand on parle de filles, on dit « des petites », je ne sais pas qu'on dit ça encore, mais c'est un vocabulaire qui était là. Qu'est-ce qu'on fait? On infantilise la femme. Donc, il y a tout plein de structures d'oppression. Pornographie, on pourrait parler de pornographie. Oui, idéalement, j'aimerais ça. C'est un peu vieux jeu, hein? Ça participe dans le spectre, dans le paysage des problématiques. Puis, tu sais, en tout cas. Mais ça perd. On jouera pas. Ça m'était déjà arrivé d'en consommer. Non, mais fallait que je le dise. J'ai déjà consommé de la pornographie ce matin. Mais. on n'a plus l'extrême droite qu'on avait. Hein? Non, je sais, mais je suis comme. Il va perdre sa job au Journal de Montréal. Mais toi, Marc, comme baby boomer. Oui, comme. fils de baby boomer. Ouais. Donc, pas mal plus âgé que vous, 47 ans. Moi, ce qui m'a frappé, je pense, c'est. Qu'à chaque nouveau mouvement, que ce soit agression non dénoncée, la première vague de moi aussi, cette deuxième vague, il y a une part de moi que je réalise qui est très... Il y a un côté très naïf, en fait. C'est, je lis chaque fois des femmes qui disent « Tout le monde a vécu ce genre d'agression, de micro-agression, de commentaires déplacés, de gestes déplacés qui n'ont pas de bon sens. » Puis chaque fois, je me dis « Ben, quand même pas tout le monde. » Tu poses la question autour de toi à toutes les filles, à toutes les femmes, et elles ont toutes vécu ça, d'une manière ou d'une autre, à un degré ou à un autre. Puis je pense que c'est cette naïveté-là, ou peut-être même ce refus de voir la réalité, parce que c'est tellement pas beau, que je pense que c'est ça qui m'a frappé encore une fois. Et donc, de voir la liste, tu vois cette liste, il y a 600 noms, 650 noms, Ça représente rien en même temps. C'est ça, exactement. C'est rien, tu dis, s'il y avait une vraie liste là, de tous les agresseurs, ben avec toutes les, si chaque femme que tu connais a vécu ça, à peu près tous les, il y a un paquet de gars qui devraient être sur ces listes là. Donc c'est le premier. Et des fois soi-même, tu sais, je vous pose la question. Y a-t-il un moment quand vous avez vu, mettons, cette vague là, où ben, soit vous avez réfléchi à des actions passées, ou est-ce qu'il y a eu un moment où il y a une réaction un peu comme « Oh, jusqu'où ça va aller? Ça pourrait-tu être moi qui va être là? » Puis je vous demande pas de confesser quelque chose ou d'avoir nécessairement des regrets, mais y a-tu un moment de ça? Parce que moi, je l'ai vécu ça, pas parce que j'ai clairement dans ma tête quelque chose que j'ai fait à un certain moment, mais je me souviens plus jeune, mettons, à 20 ans, c'est pas une bonne façon de cruiser dans les bars, puis je l'avais mentionné la semaine passée, je suis pas tout à fait fier, puis ça concorde pas avec mes valeurs aujourd'hui, tu sais, je déplore ce genre de comportement-là. Mais tu sais, est-ce que vous avez eu un moment de faire comme, hey, c'est parce qu'une révolution, ça fait peur, là, puis ça s'attaque aux hommes, puis après ça... Le bon réflexe, c'est aussi de se poser des questions, de justement... peut-être se replonger dans son passé. Bon, pour moi, c'est plus loin. Là. Il y a des c'est en noir et blanc. C'est en noir et blanc. non, mais c'est drôle parce que j'y pensais aujourd'hui, puis je vous écoutais la semaine dernière, c'était hyper intéressant. Et je pensais qu'avec la première vague de moi aussi, je me souviens, à un moment donné, on était chez nous, on jasait, et j'ai une très bonne amie qui est ma voisine d'en face, qui était ma blonde au secondaire et au cégep pendant 5 ans. Puis elle était là, puis on jasait, puis je lui dis... Je me demande si, quelque part dans mon passé, il y aurait des actions, justement, ou des gestes déplacés ou des trucs. Puis elle m'a dit, tu sais, là, dans le fond,
tu le sais. Tu sais c'est quoi la réponse. T'sais, quand on a fait quelque chose qui n'avait pas de bon sens, même si ça fait très, très longtemps, on le sait. Je pense que dans notre fort intérieur, on est conscient de ça. On sait qu'on a fait... Bon, moi, sincèrement, je n'ai pas trouvé. Là, je cherche encore. C'est vrai? Ben non, mais tu sais, j'ai pas... Alors, je veux juste vous tester. As-tu des chroniques que tu regrettes? Oui. Oui, OK. Je voulais juste savoir si tu étais conscient un peu de tes affaires. Dans... Peut-être qu'il y a juste comme aucun jugement. Elles ont peut-être... Ben, non, mais tant mieux. Mais effectivement, tu sais, c'est toujours sensible pour les gars. Puis moi, j'ai parlé... Quand on était 2-3 gars ensemble, on se parlait, puis pas de caméra, puis tout là, ça, on était capable de s'en dire un peu plus. Mais sinon, il y a toujours une espèce de flou parce que personne veut... Il y a comme une crainte de... Je suis en train d'avouer un viol ou c'est juste que... Tu sais, parce que c'est pas nécessairement ça dans ce mouvement-là. C'est juste comme... Hey, dans ton texte, il y avait ça, hein, qu'il fallait peut-être réapprendre aux hommes. C'est pas la consommation, tu sais, les relations amoureuses. C'est quoi le terme que tu utilisais dans ton texte qui est... Je parlais de relations amoureuses, séduction, puis aussi de les rapports sexuels en général, parce que... Mais on est dans un mode, tu sais, de consommation, d'utilisation. Oui. Il y a beaucoup de... J'utilise cette personne-là pour satisfaire un besoin ce soir. Puis ça, ça peut pas amener vraiment des rapports égalitaires, à moins que les deux, ça se peut très bien que les deux, ça soit correct, là, tu sais, ça se peut que les deux s'utilisent, là, mais sauf que quand on part avec ça comme en tête, c'est sûr qu'il va y avoir une couple de fois que ça va être weird, là. Exactement, parce que nous, les hommes, ben, pour ma part, de la manière que j'ai été socialisé aussi, c'est sûr que j'ai été dans une famille où on m'a appris à être gentil, à être sensible, à être généreux, puis à se soucier du bien-être des autres, mais en même temps, je suis dans une société qui m'encourage à être violent, à être fort, mais qu'est-ce que ça veut dire être fort aussi? Est-ce que ça veut dire cacher ses émotions? Est-ce que ça veut dire aussi contrôler, posséder? Parce qu'il y a beaucoup ça aussi. Tu sais, moi, comme plusieurs personnes, j'ai sorti dans des clubs et la culture des clubs, très souvent, ben, c'est tu veux impressionner tes amis, t'es-tu un vrai gars, t'es-tu capable? C'est la vision de la masculinité toxique. Là, exactement, c'est vraiment une vision qui est toxique et qui est même prédatrice aussi, parce que tu vois vraiment les femmes comme des objets, comme des trophées, puis il y a une sorte de compétition malsaine qui s'installe là-dedans. Puis toute la vague de dénonciation, moi, m'a amené à réfléchir à comment j'ai vécu ma vie jusqu'à aujourd'hui, et j'ai réalisé qu'il y a des moments où je n'ai pas respecté le consentement. Que ce soit juste pour mettre ma main sur une épaule ou juste comme prendre dans mes bras comme ça, je n'ai pas respecté le consentement, puis j'ai honte de ça. Mais après ça, je me suis dit, est-ce qu'avec cette honte-là, je reste dans mon coin ou en tant que prof, j'essaie de faire de l'éducation avec ça, puis aussi je prends conscience de la société dans laquelle j'ai grandi. Parce que quand j'étais petit, tu sais, moi j'enseigne l'éducation relative à la sexualité à l'école. Est-ce que j'ai eu ces contenus-là quand j'étais petit? Non. Je ne les ai pas eus et j'ai grandi dans une famille où parler de la sexualité, c'était tabou. Alors après, tu fais tes apprentissages. Et une autre chose aussi, quand j'ai écrit mon texte, j'ai envoyé mon texte à plusieurs amis pour avoir de la rétroaction. Et dans mon texte, j'avais utilisé le mot « erreur » pour dire que j'ai fait des erreurs. Mais en fait, ce n'est pas des erreurs que j'ai faites parce que c'est dans ma tête, je pensais que c'était correct, même si ça ne l'était pas. Ce n'est pas des erreurs, ce sont des inconduites. Mm-hmm. Et ça, cette prise de conscience-là a été très importante pour moi, en tout cas, dans l'écriture de ce texte-là. Et ça m'a juste fait réaliser, puis le discours d'Alessandra Ocasio-Cortez, peut-être que vous avez vu aujourd'hui, va dans cette direction-là, c'est que tu peux fondamentalement penser que tu es une bonne personne, mais tu peux faire des gestes qui sont inacceptables. Et pour moi, ça a été une grande prise de conscience, personnellement. Oui, puis on vit dans une société, je trouve que tu décris quelque chose de bien, il y a beaucoup de filles qui le soulignaient. Pendant longtemps, tu commets certains gestes parce que tu dis, je vais m'en sortir. Pas dans le sens, je vais m'en sortir, mais la société ne va pas me taper ses doigts. C'est comme, c'est acceptable et accepté. Après ça, il y a du monde qui dépasse clairement la limite. Mais ce dont on n'est pas nécessairement fier, de ces inconduites-là plus jeunes, ils sont souvent pas illégaux. Tu sais. Si quelqu'un me demande, tu sais, non, j'ai commis rien d'illégal, mais c'est inacceptable quand même. Tu sais. Je trouve intéressante la perspective d'Ismaël, parce que moi, la première fois que j'ai entendu le mot consentement, là, j'ai 25 ans présentement, là. La première fois que j'ai entendu le mot consentement, c'est à l'université, première année, 19-20 ans. Moi aussi. Avant ça, j'ai jamais entendu. Ça fait pas longtemps, c'est vrai. Puis je fais partie de la nouvelle génération, là, on dit que je suis conscientisé à ces enjeux-là, on dit que je suis éduqué à ces enjeux-là. Jusqu'à 20 ans dans ma vie, donc j'ai eu des rapports sociaux avec des filles avant ça, j'ai jamais reçu le mot consentement, je me suis jamais fait expliquer le mot consentement. Fait qu'imagine les autres générations, là, je veux pas te pointer, là, oui. Mais... Non, mais non, mais ce que j'allais dire, peut-être, même à contrario, pour défendre ma génération, les X, c'est que
Nous, on avait des cours d'éducation sexuelle. On appelait ça FPS, formation sociale. Ouais, je l'ai eu, sociale, moi. Tu vois, toi, tu n'as pas 22 ans non plus. Là, non. et j'ai l'impression qu'il y a eu toute une vague, en fait. Il y a toute une génération un peu qui a été sacrifiée à ce genre. Je ne sais pas si vous aviez. Mais ce n'est pas une panacée non plus, les cours. Il ne faut pas se faire croire qu'en disant une heure par semaine aux enfants, genre aux jeunes, faites ça. Oui, c'est toute la société, puis MTV t'envoie un autre message. Non plus, là, cela dit. Probablement. Non. Moi, la question que je me suis posée dans les dernières semaines, là, c'est comme allié, j'essaie d'être un bon allié, là, puis je me suis posé la question, puis je vois aussi chez les autres aussi, du moins je me pose la question pour les autres, qu'est-ce qui me motive dans mes prises de position? Puis je vois chez des gens qui sont très vocales là-dedans, puis je me demande, Colin, ils ont-tu de quoi à cacher? Ou je me suis demandé, est-ce que je suis motivé par le remords, par la culpabilité, ou je suis motivé par l'injustice que je vois, tu sais? Puis des fois, dans ces mouvements-là, surtout chez les militants, des fois, tu sais, un peu, je vais faire un cliché, là, mais il y a beaucoup de gens qui exorcisent leur propre démon en condamnant les autres. Mais tu fais comme, ouais, toi, t'en as une coupe dans ton placard des affaires, là. Puis je pense que c'est important que ce genre de discussion-là, que les hommes puissent aussi dire comme, OK, faut que je le dise, parce que sinon, je suis juste un espèce de preacher qui condamne chez les autres des affaires, tu sais. Oui. Parce que dans chaque mouvement social, là, que ce soit le mouvement féministe, le mouvement écologique, le mouvement indépendantiste, le mouvement des droits civiques, une parole qui se libère, ça se fait jamais correctement, ça se fait jamais... Une parole surtout en colère, tu sais, qui demande plus de liberté, ça se fait rarement dans des conditions que le vocabulaire est très bien fait, tu sais, est formaté. Chaque mouvement social occasionne une colère extrêmement forte. Puis, tu sais, la page là, que tout le monde a vue, là, Yen en jupon, ouais. Je pense que c'est ça le nom. c'est sûr que comme homme, et même comme femme, ça doit créer un malaise, mais... Au-delà de ça, au-delà de le malaise qu'on a de voir peut-être qu'il y a une personne qui a été dénoncée faussement à partir d'une histoire un peu, tu sais, abracadabrante, moi, je trouve qu'on oublie souvent qu'il y a un nombre de témoignages. Le nombre de femmes qui témoignent, tu sais, en dit beaucoup sur vraiment le réel, tu sais. Qu'il y a vraiment, tu sais, en société, il y a des comportements. Et le ras-le-bol, en fait. Le ras-le-bol, surtout, ouais. T'sais. Fait que, tu sais, quand je dis qu'une parole se libère, c'est sûr qu'il va y avoir pas un dérapage, parce que c'est mal dit, c'est pas le bon mot, mais on comprend ce que je veux dire, c'est que ça va aller très, très loin, mais c'est pour qu'il y ait un mouvement de balancier qui revient. Puis c'est même pas... Ben là, c'est mon petit côté militant des fois, mais c'est même pas aller si loin que ça. Je veux dire, c'est en train de s'éteindre, là. Tu sais, je veux dire, honnêtement, là, ceux qui ont eu peur tant que ça, que ça mette, tu sais, une révolution... Pour les filles militantes, pour celles, ils se font comme... C'est rien passé, finalement, là. Il y a 3 artistes qui sont allés en cure, puis ça c'est fini là. On a... C'est toujours drôle de voir les artistes, après 5 minutes, dire qu'ils ont changé. Ben, y en a qui doivent regretter avoir fait leurs excuses, parce que, tu sais, là, comme le mouvement, ils font « Ah, shit, je pensais que la vague allait pogner, puis finalement, j'aurais dû juste me fermer la gueule une semaine. » C'est quand même... Tu sais, moi, je trouve que dans ce mouvement de dénonciation-là, il y a quand même quelque chose de particulier. Hein, parce que, tu sais, si on fait un peu la genèse de qu'est-ce qui s'est passé... C'est 2-3 personnes, 2-3 femmes qui ont commencé à dénoncer vivement un milieu underground de musique sur Instagram. Mm-hmm. C'est comme ça que ça a démarré. Et ensuite, elle a démarré quelque chose de beaucoup plus gros. Puis moi, je trouve ça fascinant de voir une nouvelle génération de féministes, puis même d'hommes alliés à la cause, qui prennent la parole avec leur vocabulaire, avec leur code, avec leur outil de transmission qu'est les médias sociaux, qui réussissent à vraiment changer de société en quelques semaines. C'est quand même assez incroyable qu'en 2 semaines, il y ait vraiment une prise de conscience qui se fait vis-à-vis de ces... La sentez-vous, du moins dans votre entourage, vous, est-ce que vous oseriez plus dire quelque chose d'inacceptable à un ami, plus que, mettons, qu'il y a 2 semaines? Moi, je sais que MeToo avait fait ça pour moi, dans le sens que j'imaginais que dans un bureau de travail, si j'avais à travailler dans des bureaux, là, j'étais à Radio-Canada à l'époque, j'ai pas assisté nécessairement à des choses, mais je me disais, ça va permettre ce mouvement-là, que quelqu'un lève, fait comme, ah, ça, c'est pas acceptable ce que tu as fait, puis que les autres collègues vont faire comme, ouais... C'est vrai que c'est... Tu sais, il faut que ça devienne à la fois comme pas grave et grave, mais qu'on puisse le dire, puis que la personne le reçoit mieux qu'il y a 4 ans ou 5 ans. Ça serait pas dit. Autant, je pense qu'il y a des gens qui vont revoir leur comportement et qui vont ne pas essayer de se mettre dans une situation où quelqu'un va leur reprocher d'avoir dit quelque chose ou d'avoir fait une joke de mon oncle ou je ne sais quoi. Autant, comme tu dis, les gens qui sont autour auront moins... cette réserve, ou seront moins gênés de dire « Regarde ça, ça passe pas. » Je repense
Moi, tu sais, si j'ai pas de regrets francs, là, de, peut-être parce que je sortais pas dans les clubs, ou je n'étais pas de ce type-là, tu sais, je pense pas à des comportements, mais ce que je regrette, moi, c'est plus mon silence face à des gestes, à des paroles, à des commentaires déplacés. Tu es dans un milieu de travail, tu vas rire. Bon, moi, j'ai fait beaucoup de sport comme toi, du hockey, du soccer. Est-ce que tu vas la être pression du groupe, c'est tough. Oui, la pression du groupe. Est-ce que tu vas être le gars qui, dans une chambre de hockey, va dire... Hey, franchement, les boys, c'est pas fort. Mais cela dit, c'est drôle parce que j'en parle des fois autour de moi. Les choses évoluent. C'est que moi, ma gang de hockey, de old-timers, de ligue de garage, du dimanche, ben, c'est des conversations souvent très, très intéressantes qui tournent autour de l'actualité, qui peuvent. On pourrait faire un spin-off de ton show avec les gars de en jackstrap, puis que tout le monde pue. et donc, les choses bougent. Puis je pense que ce que je regrette d'il y a 15-20 ans, de ne pas avoir dit ou de ne pas avoir nommé les choses, bien ça change. Puis aujourd'hui, j'oserais plus. Je pense que oui. Sentez-vous un effet backfire aussi dans votre entourage? Parce que c'est surprenant. C'est sûr que les réseaux sociaux ne représenteront jamais... un beau portrait de la vraie vie puis de tout le monde. Là. Fait que on est tous un peu biaisés, c'est dur, mais on voit tellement du monde qui se braque aussi dans votre entourage. Est-ce que vous avez eu des conversations assez récemment, disons, avec des amis? En voyez-vous dans votre entourage du monde comme vraiment fermé par rapport à ça? Bien, j'ai l'impression que quand on essaie de parler des violences sexuelles par rapport aux hommes en général, il y en a beaucoup qui disent « Oui, mais moi, je suis une bonne personne. » Moi, je ne suis pas une mauvaise personne. Moi, j'ai des bonnes relations avec les femmes, donc ça ne me concerne pas. Mais ce n'est pas seulement tes rapports à toi, c'est qu'est-ce que tu fais avec les autres aussi. C'est ton silence par rapport à certaines choses qui se passent autour de toi. Puis un exemple très, très simple de culture du viol que j'ai pu comprendre, en fait, c'est que quand j'ai commencé mon université aussi, il y avait une campagne à l'Université de Montréal en 2014 qui s'appelait « Sans oui, c'est non ». Cette campagne-là était une super campagne d'éducation sur le consentement. Ça vraiment... tout le monde portait des macarons. J'ai vraiment senti une prise de conscience. Mais en même temps, le cri de ralliement de mon association étudiante quand on faisait des sports en éducation, c'était « J'éduque ta mère, c'est mon élève privé au cours du soir. » Ça, c'est la culture du viol. Mm. Et tout le monde criait ça. Juste pensez-y, je suis dans un programme où 80%, même plus, des personnes sont des femmes. Mais les personnes à la tête de l'association étudiante à cette époque-là sont des hommes en majorité, même s'ils sont en minorité dans le programme. Et ça, c'était notre cri de ralliement. Et tout le monde le faisait. Pourquoi? Parce que tu arrives dans le programme et après, ben, tu es nouveau, tu ne veux pas choquer les gens. Tu es comme moi, au fond, moi, je sais que je ne suis pas à l'aise avec ça. Mais je suis le petit nouveau, je suis une minorité aussi, je veux faire attention. Mais tu es 4 ans. T'es là 4 ans. Alors, pendant 4 ans, avec d'autres personnes, on travaille. Ouais, mais on pourrait pas changer ce cri de ralliement-là. Puis, il a changé au final. Et avec la vague de MeToo aussi, en 2017, il y a le fameux projet de loi 151 aussi. Le fameux projet de loi 151. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais, non, mais en gros, j'ai fait un petit travail d'histoire. Puis le projet de loi 51, en fait, c'était... 51 ou 151? 151, okay. Désolé. C'était une réponse, en fait... Au fait que dans les universités, dans les initiations, il y a vraiment une culture d'impunité, de violence sexuelle, de promotion. Je pense que c'est McGill qui nous a permis. McGill aura fait ça pour le Québec. Là. Je pense que je me tourne vers l'anglophone. Non, mais ils ont banni. Il y a quelques années, il y a des universités qui ont été obligées de bannir les initiations. Parce que ça allait tellement loin. Bien, moi, ça me faisait penser. Donc, moi, il y a 25 ans, vous étiez à peine né. Même chose. J'étudiais à l'Université de Montréal en droit. Le cri de ralliement d'initiation, c'était un chant que tout le monde connaissait depuis des décennies, qui était carrément misogyne. Il a été remis en question. Je me souviens que j'ai un ami, Jean-François Nadeau, qui est chroniqueur au Devoir, qui avait écrit là-dessus il y a quelques années pour dire que ça n'a pas de bon sens. Je pense que ça a perduré longtemps. Je me souviens, moi, j'étais rédacteur en chef du journal étudiant. Et au carnaval... C'est peut-être pour ça que tu n'as pas abusé de tes pouvoirs. Ouais, rédacteur en chef du journal étudiant. Pas très séduisant. Non, mais je me souviens d'un carnaval à l'Université de Montréal. Tu étais avec des juristes et en droit, pareil, 60-70% de femmes, mais les hommes qui sont à la tête des associations, quand même cette emprise masculine, là, vraiment. Et il y avait une activité, c'est un gars qui se mettait une banane entre les jambes, puis une fille devait manger la banane. Puis j'avais fait un éditorial où je faisais une espèce de métaphore entre ça
et comment les femmes étaient traitées dans le milieu du droit. Puis il y a même des avocates qui n'avaient pas compris la métaphore. J'avais reçu des appels d'avocates. J'avais dû leur expliquer, je suis en train de dire que les femmes ne sont pas bien traitées. Donc, ça existait, mais c'était carrément... Il n'y avait pas de subtilité là-dedans. Des fois, ce machisme s'exprime de manière beaucoup plus subtile et plus pernicieuse, et on ne le voit pas. Mais pour dire comment les choses n'évoluent pas tant que ça, finalement. Puis, tu sais, dans la séduction... Moi, j'avais fait une capsule à Tout.tv sur la culture du viol, puis je me basais sur des travaux de sexologue. C'est pas moi qui inventais ça, mais... Tu sais, c'est un des plaisirs de vieillir, là, l'espèce de... Les hommes et les femmes s'égalisent un peu, ou du moins parce qu'ils s'assument plus sexuellement, puis tout. Moi, ça fait 15 ans que je suis avec la même blonde, fait que je vis plus cette game-là de la séduction, mais, tu sais, je le vois autour de moi, les amis que j'ai, qui ont, mettons, 35-40 ans. Clairement, une femme dans un bar va s'assumer si elle a le goût d'une relation sexuelle, puis il y a beaucoup plus, tu sais, c'est décomplexé, fait que c'est bien plus égalitaire, là. Mais c'est pour ça que moi, des fois, à 20 ans, je trouvais comment c'était très toxique. Tantôt, on parlait de cette culture du club, mais où le gars doit séduire la fille, puis la fille doit se laisser séduire, parce que sinon, elle a l'air un peu d'une salope. Il y a toujours cette espèce de... Genre, toutes les masculinistes vont avoir ces comparaisons, là, la clé, le cadenas, c'est des affaires qui sont assez toxiques. Mais ce jeu-là, de chat et de la souris, ne peut pas amener d'égalité. Forcément, il peut juste être le terrain de dérapage, où le gars doit insister. Parce que, tu sais, on parle de consentement... Puis c'est plus clair quand on est plus vieux, parce que le monde s'assume, les femmes s'assument. Mais à 18, 19, 20 ans, une fille, on dit, mettons, on dit aux jeunes, assurez-vous du consentement. Mais la fille est élevée pour ne pas dire oui. T'sais, la société lui dis pas oui, sinon tu vas avoir l'air d'une salope. Il faut que tu te laisses séduire, il faut que tu te laisses convaincre. Tabarnak, c'est comment tu veux que ça soit sain, cette relation-là? Fait que, tu sais, des fois, je me demande si c'est un passage de génération ou est-ce que les jeunes générations pourront être un peu plus ouvertes, assumées, et donc le consentement sera plus éclairé et bon, ça se dit, tu sais. Je compléterais là-dessus sur... Tu sais, on a parlé tantôt de la notion de masculinité toxique. Moi, je regarde les nouveaux visages, les nouveaux icônes de nouvelle génération de 10 à 30 ans. C'est pas Jean-Claude Van Damme, Donald Trump, Bruce Lee, Clint Eastwood. Ces modèles-là, c'est des gens comme Jay Toutombe. C'est des gens qui sont beaucoup plus... qui portent moins en symbole leur virilité. Puis ça, c'est une note positive. T'sais, pour bien les jeunes, le nouveau symbole, c'est pas l'homme viril, musclé, qui bat tout le monde et qui est extrêmement violent. T'sais, sur une note beaucoup plus positive, je trouve que il y a un renouveau qui se fait. Puis comme dans chaque mouvement social, ça prend du temps, c'est long, ça va jamais aussi vite qu'on le pense, qu'on le voudrait plutôt. Mais il ne faut pas oublier qu'en 10 ans, il y a eu un changement de mentalité incroyable. Je fais une petite blague, mais si on allait juste dans le vocabulaire des anciennes chroniques des années 2000, le bien des chroniqueurs, ou même dans la culture pop, le vocabulaire, des fois, on peut regarder les anciennes émissions, des anciens bye-bye. Regardez, le bye-bye 2008, 2007, 2009, 2010, il y a un vocabulaire qui était dans la culture pop qui est inacceptable aujourd'hui. Donc, il y a un avancement, il y a un changement de mentalité qui se fait tellement rapidement. Il ne faudrait pas l'occulter parce que c'est décourageant. La classique joke là, du consentement par rapport à maintenant, il va falloir genre un papier d'avocat, genre, ou tu sais, où il y a même des gens qui vont jusqu'à dire, ben là, s'il faut se dire oui, ça enlève tout le jeu ou ça enlève toute la séduction. Je fais comme. Moi, j'entends. Tu sais, j'ai assisté à quelqu'un qui dit ça, puis il y a 800 personnes qui applaudissent. Là. Je fais comme, tabarnak, c'est pas tout le monde là, qui est rendu au même niveau. Là. On dit que le sexe est rendu tabou. Moi, j'ai jamais trouvé ça. T'sais. C'est le sexe non consenti qui est devenu tabou. Le sexe consenti, c'est encore célébré, c'est encore bien. Il y a une manière de voir la sexualité qui évolue. Puis je pense que, comme on parlait de la culture du club tantôt, pour moi, la culture du club, c'est une des démonstrations de la culture du viol les plus probantes. C'est extrêmement... Dans cette culture-là, dans tout ce qui est alentour de ça, pour moi, c'est un témoignage puis l'incarnation même de la culture. Payer des shooters, il n'y a rien là-dedans qui est fait pour favoriser le consentement. Ce qui me fait penser aussi à ça, c'est qu'il y a des paradoxes. Des fois, il y a des choses qui évoluent rapidement. Il y a d'autres choses qui... mon fils a 16 ans.
Évidemment, on a eu ces conversations sur le consentement, etc. Moi, il y a 4 ans, mais je l'ai vu aussi avec lui. C'est déjà, j'ai parlé dernièrement. C'est fait aussi. Il va s'en souvenir du temps, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, et donc, c'est quelqu'un de très conscientisé. Je pense que je pourrais dire qu'il a été élevé dans une famille féministe. Qui est, un peu ce que tu disais, Ismaël, quand tu étais élevé pour être un garçon qui respecte les femmes et tout ça. Ses amis, filles, les gars qu'elles idolâtrent, c'est justement des Jay Dutemps ou des Timothée Chalamet, c'est pas justement des Van Damme. Mais en même temps, très, très dans la culture du hip-hop, du rap, notamment français, moi, mon fils, puis j'écrivais là-dessus la semaine dernière, il y a un rappeur qu'il aime beaucoup, puis il y a le mot « pute » dans toutes ses chansons, tu sais, puis je dis, tu trouves pas qu'il y a quelque chose, il y a pas un message misogyne là-dedans, puis il s'est mis à réfléchir à ça, mais... Loco le casse. Ouais, c'est ça. Loco le casse. Non, français, là. Ouais. Mais il y a tout ça, et donc je trouve qu'il y a encore, il y a toutes sortes de des choses toxiques dans la culture pop, il y en a partout. Dans la société, puis c'est pour ça que moi, je ne veux pas être cynique, puis je trouve effectivement là, qu'il y a des progrès, puis je suis convaincu qu'on s'en va vers le mieux, tu sais. Mais j'imagine parler un jour à mon fils, ou j'imagine... Ben moi, je pense que je viens d'une famille aussi féministe, puis que je pense que j'ai été élevé pour respecter les femmes, puis j'ai toujours pensé que je respectais les femmes. Mais une année à 19 ans, au cégep ou à l'université, d'un bar avec des amis, tu sais... Ce que ta mère te dit il y a 3 ans, ça tu sais, fait surtout faut si que la société. Surtout si quand elle l'a dit. Ouais. Tu sais, mais je veux dire, faut que la société change dans son ensemble. Tu sais, des fois on dit parlant à nos gars, les parents parlent. Il y a bien des affaires qu'on dit à nos enfants qui vont pas nécessairement appliquer. Fait que je pense qu'il faut un changement. Moi, c'est dans les médias, c'est dans les chroniques, c'est tout ça qui doit changer aussi là, tu sais. Ben, si je pourrais ajouter quelque chose par rapport à ça, c'est que le lien que je voulais faire avec la fameuse loi 151 tout à l'heure, ouais. c'était que grâce à cette loi-là, toutes les universités et les cégeps étaient obligés de se doter d'un code de conduite par rapport aux violences et aux agressions à caractère sexuel. Et moi, j'étais en 2014 et j'ai quitté l'université au moment où c'est rentré, et c'était le jour et la nuit. Il y avait des sentinelles qui se promenaient dans toutes les activités d'intégration. Ce n'était plus des initiations, c'était des activités d'intégration pour savoir tout ce qui se passait. Tous les officiers et les officières en fait, des associations étudiantes devaient suivre des formations sur l'éducation relative à la sexualité, sur le consentement, sur comment organiser des activités d'intégration qui respectent aussi la diversité du corps étudiant, etc. J'ai vraiment vu le jour et la nuit, et ça, si c'était possible, c'est parce que c'est parti d'en haut. Et moi, qu'est-ce qui me dérange un peu, autant dans le débat sur le racisme que le débat sur les violences sexuelles, c'est que, oui, moi, de mon côté, et nous, de notre côté, on peut parler. On peut parler autour de nous. Mais en haut, il y a des décisions politiques qui doivent être prises, parce qu'on parle de vagues, mais ces vagues-là sont dans un océan, et cet océan-là, c'est un océan d'indifférence politique. Et ça, il faut le dire aussi. C'est quand le gouvernement va agir. Parce qu'au final, s'il y a eu ces changements-là à l'Université de Montréal, c'est qu'il y a une loi qui est venue d'en haut pour obliger toutes les universités et toutes les cégeps pour emboîter le pas. Puis il faut vraiment considérer ces problèmes-là comme des problèmes systémiques. Parce que tant qu'on va se dire « Ah, il faut qu'on s'occupe des personnes qui ont des problèmes, en fait, ou qui ne savent pas comment respecter les femmes ou qui sont racistes, tout simplement. » Il n'y a rien qui va changer parce que ce n'est pas un débat de personnes. C'est un débat de système. Puis moi, la métaphore que j'aime utiliser, c'est la métaphore de la corruption. Si on identifie toutes les personnes corrompues dans un système et on se débarrasse de tous ces gens-là, est-ce que fondamentalement, il n'y a plus de corruption? La réponse, c'est non. Parce que si les règles du système favorise la corruption, même si tu enlèves tous les gens corrompus, ça va revenir. Tu es en train de dire que même si on n'a plus Yann Perrault, là, le milieu est encore... je suis en train de dire que... On pensait qu'on avait nettoyé le milieu, là, Yann est parti. En résumé, si tu ne changes pas les règles qui encadrent ces milieux-là, tu as beau enlever les personnes problématiques, ça va toujours revenir. Moi, je suis tellement d'accord, mais il faut... Des fois, pour donner l'électrochoc, justement, ce genre de liste-là, ou un petit... Ils vont revenir. Je pense qu'ils ont... Puis ils auront le droit de revenir, ces gens-là. Là, moi, je ne condamne pas. Je ne suis même pas au courant exactement de tout ce qu'ils ont fait. Mais des fois, ça prend cet électrochoc-là pour avoir des lois ou un changement de mentalité dans le milieu. La loi du silence. Parlons un instant de la loi du silence. Chacun dans vos milieux, là. Tu sais, mettons, avez-vous vécu personnellement, genre,
côtoyer quelqu'un que tout le monde se disait un peu comme lui, là, oh, il est problématique, puis tout le monde garde le silence. T'sais. Ben, tu m'as invité notamment parce que j'ai fait une chronique un peu là-dessus. Ouais. Je parlais de la métaphore, la fable des trois singes. Là, on se ferme les yeux, on se bouche les oreilles, on se ferme la gueule, finalement. Et puis, moi, je me souviens que toute l'histoire d'Éric Salvay, là, c'était à l'époque de l'agression non dénoncée. Au départ, il y avait Gian Gomeschi, que moi, je connaissais aussi par la bande. Je participais à son émission de radio. On avait fait un pilote de C'est juste de la TV, une émission que je faisais à TV en anglais avec lui, donc mon côté anglo qui est MC. Donc, tu sais, c'est quelqu'un que je côtoyais. C'était pas j'ai un pas ami. Dit ton côté. Oui, c'est comme... ça, ami des agresseurs. Ouais. Tu sais, je me doutais pas de ça, évidemment, mais tu côtoies des gens. Puis là, moi, j'avais entendu des histoires, par exemple, sur Éric Salvay. Comme quand on est dans le milieu de la télévision, on entend toutes sortes d'histoires. Mais j'avais entendu des histoires assez précises, avec des détails précis. Et donc, j'avais fait quelques appels à des gens qui étaient témoins de gestes. Et à cette époque-là, personne n'a voulu me parler on the record. Le prix à payer était trop grand. Le prix à payer était trop grand parce qu'il était hyper influent, producteur. C'était le roi de V. Il avait la main mise sur plein de productions de télévision. Et donc, j'avais lancé dans une chronique, juste en parlant de Gian Gomeschi, je dis... Il ne faudrait pas croire qu'au Québec, ça n'existe pas. Sous le couvert de l'humour, il y a un animateur qui se permet toutes sortes de gestes déplacés de nature sexuelle. T'sais. Et puis, ça a pris 3 ans. Nous, on a fait... Il y a l'équipe d'enquête à la presse qui... la spécialiste, en fait, la chef de l'équipe d'enquête vient me voir et me dit « De qui tu parles? » Puis là, j'ai rencontré des journalistes. Puis ils ont lancé vraiment une enquête là-dessus. Ça a débouché sur rien. Parce que les gens n'étaient pas prêts à parler. Et quand la vague MeToo est arrivée, Weinstein, etc., là, tout d'un coup, la parole se libère. Mm-hmm. Et donc, ces vagues successives permettent à des gens qui ont été victimes, mais aussi à des gens qui ont été témoins, d'avoir le courage de parler. Puis quand tu parles du silence, bien, ça aussi, ça varie. C'est-à-dire que j'ai l'impression que de moins en moins, on va tolérer le silence. Et puis si ça, c'est une résultante de ce qui se passe en ce moment. Mais les gens vont parler s'ils sentent qu'ils vont être crus ou appuyés. C'est ça que ça prend. Puis on ne l'avait pas il y a 10 ans, ça, c'est évident. Vous parlez d'une chambre de gars de hockey. Genre, moi, je pense qu'effectivement, si en ce moment, du moins ma chambre de hockey, là, si je me lève et dis « c'est plus drôle cette affaire-là », ben, en fait, moi, je me questionne des fois sur la façon dont on doit le dire. Oublions des fois là, les cas. Il y a des cas, il y a des prédateurs, c'est des psychopathes. Il y a des cas criminalisés ou qui devraient être criminalisés. Puis ces cas-là, je pense que c'est à part, puis ça doit être réglé. Puis c'est une autre façon de faire. Mais il y a tous ces petits cas plus problématiques avec lesquels la société change, puis on n'est pas d'accord. Puis moi, ça m'est déjà arrivé. Mettons de dire à quelqu'un, genre, hey, sérieux, genre, une joke de même. Là, mais je l'ai dit volontairement pour lui donner une porte de sortie pour que lui, qu'il puisse faire comme, ah, oh, OK, tu sais. Tu peux pas faire comme, en gars, là, je dirais pas aux femmes comment agir, là, mais comme gars, quand tu parles à un autre gars, faut que tu laisses quand même une porte pour que l'orgueil ou que l'ego oui, puisse s'en sortir. Blesses juste son ego, il va se fermer. Parce que l'humiliation, c'est tu peux pas l'humilier. Ouais. Si tu l'humilies, il va se braquer, il va dire, ben non, voyons donc, qu'est-ce que tu penses? C'est ça, le... Puis je pense qu'il y a un climat social en ce moment de... ils sont sur le bord de l'avouer que c'est pas correct leur joke. Fait qu'il faut que tu leur donnes la chance de faire comme sérieux encore là aujourd'hui une joke de même, puis il va ouais. faire. Ah, en, okay. en même temps, le climat social, pis ça, je voulais en parler un peu, c'est. Il y a tout. Tu sais, nous, ici, tu as 3 gars de gauche qui sont prêts à dire, qui veulent dire qu'il y a du racisme systémique, qu'il y a du sexisme systémique, qui voient ça comme un fait. Là, je l'ai vu écrit par vous autres. Je pense que je vous mets pas des mots dans la bouche. On est dans des milieux des gens qui pensent peut-être de la même manière, d'une certaine façon, malgré les nuances. Oui, à Montréal, sur le plateau. C'est ça. Mais, tu sais, ben là, on est à Longueuil, là, mais sur le plateau. Je me suis perdu. Mentalement, dans notre tête, on est sur le plateau. mais tu vois, par exemple, je te parlais d'Éric Salvay, tu vois ce qui se passe avec Marie-Pierre Morin. Le week-end dernier, samedi, en manchette du Devoir, il y a une enquête pour dire essentiellement... Safia Nolin n'a pas rêvé. C'est pas un incident isolé. Il y a plusieurs personnes qui ont vécu sensiblement la même chose, du harcèlement, des commentaires déplacés, se faire embrasser sans son consentement dans un bar.
Mais ce que je lis, qu'est-ce que je vois cette semaine? Une pétition 100 000 noms. Au soutien de Marie-Pierre Morin de 100 000 personnes en 6 jours. Entre-temps, là, il y a cette enquête du Devoir qui est en une... Je comprends là, que c'est pas, ça n'a pas la portée du journal de Montréal. Devoir élu par 4 000 personnes. Non, mais je comprends, mais en même temps, c'est complètement se fermer les yeux à cette réalité pour dire « Ah, c'est de la vengeance de Safia Nolin. » Puis, je veux dire, la haine qui a été dirigée depuis 2 semaines envers Safia Nolin, ça me décourage. Fait que, tu sais, quand tu dis « C'est quoi ton sentiment? » Moi, ce sentiment d'injustice, ce sentiment de finir ma semaine en tabarnak parce que les gens saisissent pas, veulent pas voir la réalité, ça m'est arrivé pendant 2 semaines. Puis quand tu m'as invité la semaine dernière, j'ai eu besoin de canaliser ce sentiment-là. Savez-vous combien de gars ont dit non à être ici ce soir? Aucun. Ben, j'ai demandé à beaucoup de gars qui ne travaillent pas sur la construction. Là. Fait qu'ils n'ont pas l'excuse des vacances. Non, il y en a eu beaucoup. C'est très, très dangereux. Pourtant, ça ne me paraît pas si miné, mais en tout cas, c'est surprenant le nombre de gars qui ont pas voulu. J'ai répondu dans la minute. Oui? Oui, c'est ça. Moi, tu passes trop de temps sur Twitter, mais ça, c'est une autre affaire. mais moi, ce que je me disais aussi, puis dites-moi si vous voyez ça un peu comme ça, moi, jamais... Je vais, tu sais, tantôt, tu le disais, Philippe, les mouvements sociaux qui partent d'un ras-le-bol, ces voix-là, c'est sûr qu'ils peuvent être maladroites puis que leur rayon laser n'est pas dirigé toujours. Puis c'est plein de gens aussi qui vont chacun dans une direction. Puis je suis pas là pour leur dire comment faire. Ils vont trouver une façon, de manière, ça va s'équilibrer. Mais comme alliés qui sommes moins touchés, tu sais, nous, on n'a pas ce ras-le-bol-là parce qu'on est quand même moins affectés par ça. On a, je pense, un peu plus un rôle de bien le faire, tu sais, être allié pour les femmes, mais aussi parler aux hommes comment... Tu sais, cette pétition-là me fâche aussi. Puis moi, je me questionne des fois, je fais « OK, là, je vais aller faire des shows. Là. Bientôt, ça va m'amener, ce virus-là, il va partir. Là. Je vais aller faire des shows en Beauce, à Saguenay. Puis je vais sortir un peu de mon Montréal, Montréal centriste. Puis là, je me demande comment j'embarque ces gens-là pour les amener juste un petit peu. T'sais. Puis il va y avoir du monde dans la salle qui vont signer la pétition. Il va y avoir du monde qui l'aime, Marie-Pierre Morin. Puis je pense que nous, on a peut-être un rôle de les prendre par la main puis de les amener un petit peu vers... T'sais. On peut pas être... Du coup, on n'a pas l'excuse d'être autant en tabarnak qu'une femme qui vit depuis 30, 40 ans du patriarcat et tout. Là, t'sais. Fait que je pense que c'est ça que je me demande, si on est capable de le prendre, ce rôle-là, puis de bien le faire. Parce que c'est tough, tu sais. Mais sur la pétition de Marie-Pierre Morin, qui avait 100 000 personnes, c'est ça? Ben, il y en avait 100 000 avant-hier, déjà. C'est énorme, c'est fou, là. C'est énorme, mais tu sais pas trop quoi en faire. Parce que quand tu... Moi, je trouve que dans la dernière semaine, j'ai des amis qui les milieux médiatiques, que les milieux artistiques, tu sais, ils en ont rien à foutre, tu sais. Simplement, ils en ont rien à foutre. Puis quand tu leur parles, tu sens qu'il y a quand même une prise de conscience qui s'est faite. Fait que c'est difficile à voir. C'est difficile à voir si sociologiquement, qu'il y a 100 000 personnes qui ont signé, c'est vraiment un fait. Que ça prouve quelque chose. Ça représente-tu 2 millions de personnes, sais-tu? 2 millions de personnes. Est-ce que ça veut dire qu'une population X est comme ça? Et pourquoi ils l'ont signé? T'sais? Parce que des fois, on fait ça, c'est facile de signer, mais si on les challenge un peu... C'est leur inconfort, peut-être, qu'ils expriment. Puis c'est vrai qu'elle a perdu beaucoup, Marie-Pierre, là, honnêtement. Dans la hiérarchie de la gravité des cas, elle a quand même passé... c'est elle qui s'est fait couper la tête fort. Elle est un symbole. Tu peux, sincèrement, l'un n'empêche pas l'autre. Je peux, par exemple, trouver que c'est excessif de ne pas diffuser la faille, la fameuse émission qu'ils ont coupée à TVA, qui a été remise en onde. De dire on va balayer ça parce qu'il y a Marie-Pierre Morin dans un second rôle, je trouve que ça n'a pas de sens. Mm-hmm. Mais de signer une pétition qui devrait retrouver tous ses contrats publicitaires, voyons donc. C'est exagéré. Puis ensuite, tu as les commentaires. Puis je sais que ça ne témoigne pas nécessairement d'un mouvement social. Mais quand tu as 100 000 personnes qui signent ça en 6 jours et avec beaucoup d'insultes pour finalement. Une fille, Safia Nolin, qui a osé parler, qui parle au nom de bien des gens qui peuvent pas, qui ont peur, qui ont peur des conséquences pour leur travail ou je ne sais quoi, ou qui ont reçu des mises en demeure. On dit aux femmes, soyez pas anonymes. Elle a mis sa face, puis on lui dit, ferme ta gueule. Il y a vraiment quelque chose. Mais j'avoue, moi, la semaine passée, j'ai fait un monologue au début, là, j'ai commencé, puis j'ai parlé de ça. Puis somme toute, je trouve pas que j'ai été si sévère, même si j'ai ri un peu de Marie-Pierre Morin. Là, je dis, t'as pas...
Et j'ai vu quand la vidéo était dans mon cercle, tu sais, sur ma page Facebook, puis quand elle a commencé à sortir, là, que ce soit sur YouTube ou Facebook, mais elle a sorti de mon réseau de gens qui apprécient ce que je fais d'habitude. Puis là, j'ai commencé à avoir des commentaires de gens que... C'est comme si c'est devenu... Tu sais, elle a payé beaucoup le prix, Marie-Pierre, parce qu'elle était un symbole pour les gens qui voulaient faire payer le prix à ça, mais elle est aussi devenue un symbole pour l'autre côté de... du dérapage. Elle est devenue un symbole pour tout le monde. Fait que c'est exagéré des deux côtés, les réactions, peut-être. En tout cas, ça vient chercher quelque chose. Puis, moi, je plains Safia. Honnêtement, je dis, Christ, ça ne doit pas être facile à vivre en ce moment-là. Mais si c'est elle qui mange toute la marde, ouais. Plus que Marie-Pierre. Et c'est la victime de quelqu'un, ouais, qui reconnaît l'essentiel des faits qui lui sont reprochés. Ça, c'est quand même assez hallucinant. Comme toutes ces personnes qui réclament le retour d'Éric Salvaire, je veux voir mon beau Éric à la télé. Je disais, à un moment donné, il faut aussi pas ralentir le groupe. Là. Il faut qu'on suit. Là. Mais je pense qu'il faut, réfléchir aussi à un peu à pédagogiquement aussi, comment est-ce qu'on peut rejoindre ces, mm-hmm, personnes-là. Et là, en ce moment, il y a vraiment une personnalisation du débat. T'sais, soit tu es avec Safia, soit tu es avec Marie-Pierre, mais si on regarde la situation, une femme sur trois au Québec a vécu une agression sexuelle. Ça parle. Et aussi, après ça, quand tu présentes ces statistiques-là, puis tu dis, regarde, ben, ces femmes-là, c'est ta sœur, c'est ta tante, c'est ta mère, tu parles concrètement de qui ces personnes-là. Tu sais, moi, la question que j'ai mis dans mon article, en fait, la première question pour se poser une question par rapport à nos propres comportements, c'était que si ta mère ou ta sœur ou quelqu'un près de toi rencontrait une personne qui avait tes comportements, est-ce que tu aurais peur pour ces personnes-là? C'est une question très simple, mais en même temps qui permet de te questionner sur tes propres comportements, parce qu'au-delà de Safia Nolin et Marie-Pierre Morin, il y a une mer d'indifférence par rapport aux violences sexuelles, et c'est de ça qu'il faut qu'on parle, parce que tant qu'on parle de ce conflit-là entre deux personnes, on ne parle pas du problème de fond qui dure depuis beaucoup trop longtemps. Mais je me demande si, comme société, on est-tu capable... En fait, tu sais, j'en parlais encore la semaine passée, mais tu sais, les hommes, des fois, comme le défi, ce serait de faire comme, OK, oublie un peu ce que tu as fait de mal, on peut-tu faire mieux à partir de maintenant? Tu sais, une espèce de... si on voulait rassembler tous les gars, là, c'est comme, on fait mieux un peu à partir de maintenant. On dirait que c'est un défi qui me paraît possible, tu sais. Mais il n'y a pas toutes les femmes qui sont d'accord avec ça. Tu sais, c'est fucked up, là, comment ce qui se passe, là. Les mécaniques, en ce moment, tu sais, comment il y a des gens qui aiment ça, le statu quo, il y a des femmes qui ont appris à bien dealer avec ça, genre, tu sais, puis où, il en parlait la semaine passée aussi, il y a des femmes qui ne veulent pas s'avouer qu'ils auraient pu faire, ou en tout cas, du moins, qui ont vécu des agressions, ça doit être tough aussi, puis il faut être compris. On dirait que j'essaie d'être aussi empathique envers des femmes qui sont aussi victimes de ce système-là, tu sais, même celles qui aiment Marie-Pierre puis qui en veulent. Je regarde ces commentaires-là, des fois, moi, il y a du monde qui m'écrivent des insultes sur Internet, là, puis des fois, je fais comme... Je suis empathique avec vous. T'sais, je ne leur dis pas parce que je ne veux pas être condescendant, mais je fais comme... Je suis désolé. Dans ma tête, je fais juste comme... C'est tough, ta vie aussi. Là, clairement, si tu en es rendu à faire ça ou à écrire ça, ça ne va pas bien. Le dimanche matin à 7 heures. Ben, peu importe l'heure, mais ouais, moi, c'est parce que je n'écris pas le samedi, l'après du samedi. Là. Dimanche matin à 7 heures, c'est relax sur mes réseaux sociaux. Ouais, moi, c'est 4 heures, 5 heures. Ils se lèvent puis ils ont envie de... Mais je veux dire, est-ce que pas, comme mouvement aussi, il faut falloir... T'sais, mon beau, là, mon doux d'ami là, qui ne comprend pas, il va falloir quand même... Je ne peux pas juste l'insulter. Il va falloir que je l'amène dans la gang. Là, il y a une responsabilité à faire ça un peu. Là, je ne sais pas... Je sais pas si tu as fait le plan de caméra ou ce qu'ils faisaient tous ça. Là. Parce que là, le monde qui voit juste ma face, ils ne comprennent pas pourquoi j'arrête de parler. C'est parce que tout le monde est d'accord avec moi. Il y a clairement une responsabilité de parler aux bros puis à nos dudes, etc. Ouais. Mais moi, en éducation, une approche que j'aime utiliser pour parler à mes élèves, c'est j'appelle ça l'approche yin-yang. C'est tout simplement l'approche de dire yin-yang. Dans le sens que tu dis quelque chose... tu commences par quelque chose de négatif, mais tu termines par quelque chose de positif comme ça. Tu dis, ben moi, ce que tu dis là, ça, j'accepte pas ça. Mais si tu dis ça à la place, bro, tu viens me dire comme... Qu'est-ce que tu observes chez les jeunes? Ça fait pas longtemps que tu es enseignant, là, tu sais, fait que tu peux pas nécessairement comparer cette génération-là à il y a 10-15 ans, mais disons que tu compares la société en général aux jeunes à qui tu parles. Toi, tu vois quoi? Est-ce que tu vois une évolution, un changement? J'oserais croire que oui, mais en même temps, c'est pas l'époque
qu'on est le plus cool dans notre vie. Toi, tu enseignes au secondaire, fin secondaire? Oui, j'enseigne en secondaire 2, en fait. Puis, okay. je peux moi, parler. Ça a été fin secondaire, mais... Je sais pas. Je suis devenu humoriste. J'ai appris très longtemps après qu'il y en avait 5 années. Ben, j'enseigne en milieu... Mais comme tu avais 16 ans en secondaire 2, c'est correct. Ben, c'est ça. C'est comme j'ai fait ce que j'ai à faire. C'est ça, j'enseigne en milieu défavorisé, puis dans un milieu particulier aussi avec beaucoup d'élèves allophones, alors je peux pas parler de tous les milieux en général, mais qu'est-ce que je peux dire, c'est que beaucoup d'élèves réalisent pas la chance qu'ils ont d'avoir les cours d'éducation relative à la sexualité. Moi, il y a beaucoup d'élèves qui me disent « Ah, monsieur, on pourrait pas faire autre chose à la place, mais... » C'est vrai? Oui. Moi, c'était dans mes cours. Ben non, il y avait-tu un malaise? Il me semble que c'est mieux que mathématiques, là. Oui. Cours d'FPS, il était quand même... Oui, il y a des élèves qui sont vraiment contents. « Ah, enfin, on fait autre chose que des maths. On va parler, monsieur. » Oui, c'est ça, on va parler. « Ah oui, on aime ça parler ouais, avec vous, ça. Monsieur, c'est parfait. » Mais il y en a d'autres qui disent « Ah non, ça me tente pas. » Parce que aussi, il y a... Dans une classe, tu as toutes sortes d'élèves. Tu en as aussi pour qui la sexualité est tabou parce que dans leur famille aussi c'est tabou, mais tu pars d'où ils sont aussi, puis t'adaptes. Puis moi j'aime beaucoup partir en fait mythe ou réalité. C'est ça, je présente des questions à mes élèves et là je dis ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, puis tu vois les réponses des élèves. Par exemple, si tu mets 2 condoms, est-ce que tu es plus protégé? Ouais. C'est intéressant après la discussion qu'on a par rapport à ça. Puis peux-tu me dire la réponse? Non. Non? OK. Puis, non, au contraire, parce que deux condoms, en fait, ça va faire plus de friction et ça va... Ah, il risque de se percer. Il risque de se percer, donc t'es pas mieux protégé, c'est tout le contraire. Ah, ben tabarouette. Ouais, alors soit... Combien aurait coulé cette question-là ici? Hein? Ou est-ce que... Mais, OK, mais attends un peu, 3... Juste pour vérifier. En tout cas, tu pars de ces mythes et réalités-là et après, tu ouvres sur beaucoup, beaucoup de choses et ça te permet de voir aussi où tes élèves sont par rapport à leur connaissance. Et c'est super intéressant parce que ils n'ont pas peur de se tromper parce que c'est fait aussi pour ça, cet exercice-là. Parce que ça peut être intimidant aussi parce que dans une classe, tu as toujours des élèves au secondaire qui ont déjà une expérience de la sexualité. Mm-hmm. Tu en as d'autres qui sont gênés aussi. Tu vois, moi, ça aurait dû être à l'université, les cours de FPS. Avant, c'était un peu prématuré. mais ça dépend aussi comment c'est amené. Par exemple, le consentement, tu peux l'amener au primaire. Tu peux en parler même au primaire aussi. Je ne sais pas si vous connaissez l'illustratrice Élise Gravel, qui est super, super pertinente. Elle a fait une illustration pour les enfants du primaire sur le consentement, puis elle parle de câlin. C'est comme, si tu veux faire un câlin à ton ami, ben demande-lui. Puis ça se peut qu'il dit « Non, ça ne me tente pas, mais plus tard. » Et peut-être que plus tard, ça va lui tenter, mais peut-être que plus tard, il va changer d'idée encore puis il va dire « Non. Hey, » Mais on est tellement progressistes. Moi, dans ma génération, à moi, là, comme parent, on pense à ça. Je disais, moi, mon fils de 4 ans, là, c'est comme je veux des bisous. Moi, j'aime ça y en donner. Des fois, il dit non. Puis je fais « Fuck, faut que je... » Son consentement, je ne l'ai pas. Mais tu sais, en même temps, je suis ton tuteur légal. Viens me donner un bisou. mais on enseigne ça. En tout cas, là, c'est peut-être... Pas, à la maison, tout le monde n'est peut-être pas rendu là, mais nous, là, on a lu quelque chose, il ne fallait pas forcer nos enfants. Mais c'est tough. Non, mais il joue douce. Ouais, profite-en, parce qu'à un moment donné... À 16 ans, c'est moins de bisous. Moi, les miens, ça, ils sont collus. Ah ouais. J'en profite encore. Tu sais, c'est mon propre, mon propre cheminement, là, mais je trouve que, de ce que je me souviens... Là, c'est de comment, moi, c'est devenu très égalitaire, mes relations avec les femmes. Là, c'est quand j'ai pour de vrai gagné confiance en moi puis accepté un non, genre, tu sais, accepté d'être rejeté. C'était plus personnel, tu sais, dans un bar, là, c'est juste avant que je rencontre ma blonde, parce que ma blonde, ça fait longtemps que je suis avec, là, mais tu sais, j'avais 22, 23 ans, puis là, j'ai commencé à avoir des relations égalitaires. Puis c'était tellement plus le fun, là, parce qu'il n'y avait pas de malaise après la relation. Il n'y a pas de lendemain, décaliste, il n'y a pas ça. Il y avait vraiment, genre... une décision éclairée à deux, mais à 19 ans, dans mon manque, dans mon insécurité, puis je me demande si c'est ça plus vieux aussi, mais l'insécurité masculine d'être obligé d'utiliser plein de subterfuges puis de techniques, où, tu sais, je lisais, c'est assez récent, mais sur les pick-up artists, tu sais, là, il y a eu une mode de ça, là, peut-être 10 ans à peu près, là, tu sais, fait que moi, à l'époque, j'avais 28, 29 ans quand j'ai commencé à lire ça, puis je me suis rendu compte qu'il y a certaines stratégies là-dedans que j'avais intuitivement utilisées quand j'avais 19 ans, tu sais, c'est cette espèce de...
d'aller voir une fille, fait comme, ah, tes cheveux, c'est pas super beau, là, t'as déstabilisé, puis après ça, elle s'intéresse. C'est juste toxique, mais ça fonctionnait parce que c'est ta propre insécurité que tu projettes, tu sais. Puis je souhaite vraiment aux gars, des fois, j'en rencontre, là, de 30 ans, je fais comme, je te souhaite de plus avoir peur des femmes, tu sais. Ils ont peur des femmes. C'est, je le sens. Tu vois que c'est ça qui fait. Tu sais, un gars qui dit c'est toutes des folles ou t'es des connes, je suis comme, t'as pas confiance en toi encore à cet âge-là. Mais tu sais, tu parles de pick-up artist, mais les incels, c'est ouais. la version hardcore de ça. Ouais. C'est justement des gars, je pense, qui n'ont jamais été bien avec des femmes depuis la tendre enfance, probablement, tu sais, de façon générale. Il y en a qui vont... D'une manière pathologique, là, tu sais, c'est maladif. Tu tuer des femmes, mais tu sais, tu dis quelque chose qui est vrai. C'est ça, c'est comment d'abord on est... élevé, que notre éducation, comment on est construit pour être en relation avec les femmes, puis si cette relation-là est saine dès le plus jeune âge, ou en tout cas de façon assez précoce, bien, je pense que les choses se passent mieux par la suite. Je ne veux pas faire de la victimisation des hommes, mais tu sais, quand je vois justement un gars de 32 ans fâché sur Internet, pas nécessairement incel, parce que c'est extrême, mais borderline masculiniste, puis tu le vois régulièrement. Là, moi, je passe beaucoup de temps sur Internet. Fait que tu vois les mêmes gars recommandés, puis tu vois bien que pas une détresse, mais il y a une douleur. Ouais. Il pogne pas, il est pas à l'aise avec les filles. Mais la société envoie quand même comme message que la réussite sociale va de pair avec réussir à se pogner des filles. Fait qu'il, d'une certaine forme, il est victime, lui aussi, d'une forme de patriarcat, sans en être conscient. Du moins, il y a le syndrome de Stockholm. Là. Il aime le patriarcat, mais il en est victime en même temps. Là. Fait que, tu sais, je vois, il y a ça aussi qu'il faut trouver une façon, je sais pas, de parler à ces hommes-là, de dire comme, ah, t'es cool pareil, là, je sais pas, là, t'es cool célibataire, je sais pas. Je sais pas comment les aborder, mais je vois une souffrance pareille là-dedans, tu sais. Ben, si je peux faire un lien avec mon propre vécu, en fait, quand j'avais 17 ans, j'avais beaucoup de colère. Au fond de moi, de la colère. T'as fait du MMA? Oui, j'ai fait du MMA, de la boxe, toutes sortes de choses. Mais c'est justement, ça venait de là. C'est que je me rappelle, j'avais 17 ans, je suis allé voir ma mère. Je dis, maman, je me sens comme une bombe à retardement. Je suis plein de colère parce que ma mère aussi a vécu plein de choses. Ben, ma mère est décédée, mais elle a vécu plein de choses elle aussi. Et parce qu'elle vivait des choses, moi, je ne pouvais pas lui parler de ce que je vivais aussi parce que ça faisait déborder le vase. Mm-hmm. Alors, je suis arrivé à 17 ans, puis j'ai dit, « Man, j'ai l'impression que je vais exploser, je me sens dangereux. Puis j'ai envie d'aller faire de la boxe, j'ai envie d'aller dépenser cette énergie négative-là, de faire quelque chose avec. » Et le premier réflexe de ma mère, ça a été de dire, « T'es pas une mauvaise personne, fais pas ça comme tu t'es... » Je t'ai élevé, t'es une bonne personne, t'as pas besoin de faire ça. Puis là, j'ai dit... C'est un peu du déni, là, pour pas... Je suis pas une mauvaise personne. C'est juste que même les bonnes personnes peuvent péter une coche à un moment donné et faire des erreurs parce que tu sais plus comment canaliser toute cette énergie négative-là. Alors, je suis allé m'entraîner. J'ai fait du MMA avec Ali Nestor, qui est un coach très connu à Montréal, en fait, qui est un ancien, un ancien jeune des gangs de rue, qui a créé un programme, en fait, qui reprend des jeunes qui étaient dans des gangs de rue, qui leur enseigne la boxe, les arts martiaux comme structure de vie, parce que si tu t'entraînes en arts martiaux, tu dois bien manger, tu dois bien dormir, tu dois respecter les heures, tu dois respecter tes partenaires d'entraînement, tu dois respecter ton coach. Alors, ça te donne vraiment une hygiène de vie et ça te change ta personnalité au complet parce que tu es isolé, tu es dans ton coin, t'es pas très confiant en toi-même, puis là, tu te rends compte que tu peux manger une volée, puis te relever après, puis aller prendre une bière avec ces personnes-là. Fait qu'il y a une humilité là-dedans, il y a un respect. Ouais. T'apprends le respect, t'apprends l'humilité, et t'apprends surtout à gérer la violence. Ça y prendrait ça à Marc, une bonne raclée une matinée, là, pour que... puis il apprenne que... Mais t'apprends j'ai une queue d'idée de chroniqueur qui pourrait te faire ça. Mais c'est ça, t'apprends à gérer toute ta colère et après, c'est comme, au lieu d'avoir une rage de destruction, en fait, une rage de construction. Moi, avec tout ce qui s'est passé, Black Lives Matter, je vis plein de colère. La vague de dénonciation, j'ai plein de colère aussi parce que je suis un grand frère, j'ai des petites sœurs aussi, puis je regarde le monde, puis je suis comme, j'ai peur. Tu sais, j'ai peur pour mes petites sœurs, puis toutes mes amies aussi, surtout que tu prends conscience de ça et ça... Et ça fait peur tout simplement. Alors après ça, tu dis que tu es en colère, mais après, qu'est-ce que tu fais avec cette colère-là? Et quand tu fais des arts martiaux, tu apprends au final que cette colère-là, tu peux l'utiliser de manière constructive. Tu t'entraînes, tu te fais une tête, et après, quand tu sors de là, tu es prêt à être bien dans ta vie. Tu es là avec ta famille, tu es bien, tu n'as plus d'agressivité, et tu te rends compte que tu peux faire quelque chose de positif avec ta colère. Je viens de comprendre pourquoi il a réagi
aussi bien aux commentaires racistes de Benoît Dutrisac. Oui, pour de vrai. Cette zénitude-là. Là, c'est, oui, oui, c'est vrai, on en avait déjà parlé, lui et moi. On en avait parlé dans un live qu'on avait fait. Puis c'est une attitude très, genre, ouais, que tout le monde n'a pas. Tu m'avais dit, tu avais pris quelques secondes, genre, si tu réagissais spontanément, c'est sûr que ça aurait déboulé. Ouais. Tu fais comme, ah, attendez, il faut que je... C'est ça, parce que quand tu es dans un combat de boxe ou dans une cage, littéralement, parce que j'ai fait de la compétition aussi, plus en jiu-jitsu brésilien, c'est que quand tu reçois un coup ou tu es surpris, tu deviens émotif et tu paniques. Et même en couple aussi, quand tu reçois un coup, on dit quelque chose qu'ils viennent chercher, quand t'es pris par tes émotions, c'est là que tu peux faire des graves erreurs parce que t'es plus vraiment en contact avec qu'est-ce qui se passe vraiment et t'es plus dans la réaction que vraiment dans une réponse réfléchie, etc. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Ben, ton coach de boxe, il dit, respire, juste respire, reprends tes esprits, calme-toi. Puis c'est comme une bouteille de Sprite. Quand tu shakes la bouteille, tu vois plus au fond. Mm-hmm. Il faut que tu laisses la bouteille... Avant que tu dises ça, je comprenais pas, mais là, ouais. Avec la bouteille de Sprite, hey, je voulais peut-être juste dire, on fait le procès de quelqu'un qui est pas là, puis tu sais, je me sens toujours un peu mal de faire ça. T'sais, on fait des blagues sur Benoît Dutrisac qui s'est retiré des réseaux sociaux suite à ça. Peut-être qu'il y a eu de l'introspection, puis il a réfléchi. Je dis ça là, mais pour de vrai, peut-être. Qui sait? Probablement pas. Mais quand même. Mais, non, mais on fait le procès de quelqu'un qui est pas là. Fait que soyons prudents quand même. Mais je peux te confirmer qu'il sera de retour à Télé-Québec au franc-tireur. Ah oui? J'ai posé la question à Télé-Québec. Puis t'es-tu en train de... T'es-tu fâché ou... Non, je constate. OK, tu constates. Mais, cela dit, je n'irais pas ça un match dans une cage. C'est la 21e saison des francs-tireurs. Je n'ai pas compté, là, mais... Benoît, ça, c'était la 20e l'année passée. C'est un beau chiffre, c'est possible. Ça. Mais tu vois, je trouve quand même que... Tu vois, la culture de l'impunité au Québec, c'est aussi quelqu'un qui fait des commentaires ouvertement racistes. Qui est très problématique. Il avait perdu sa job à cause de ça la première fois. Problématique, qui n'est pas là pour se défendre. Oui, c'est vrai. Ouais. Et qui, quelques mois plus tard, continue à faire son émission. Comme fait que si on ne parle pas de lui, mais on parle des gens en général, effectivement, moi, je fais partie de ceux... Là, je ne sais pas si je fais preuve d'un cynisme trop grand, mais c'est sûr que c'est une grosse tempête quand tu es sur une liste ou quand il t'arrive quelque chose de même. Je conçois ça. Mais honnêtement, le système est assez fort pour protéger. Pas ces gens-là vont rebondir. Je pense que c'est malheureusement des victimes de deux semaines. Puis, ben, Marie-Pierre a perdu une couple de 100 000 piastres, là, probablement. Là, mais je ne sais plus où je m'en allais avec ça. J'allais rebondir sur les listes parce que vous en parliez la semaine dernière. Ouais. Puis je trouvais ça hyper T'as-tu pertinent. Une liste? Non, mais je veux dire, ces fameuses listes qui deviennent même un collage de... Tu vois, à un moment donné, des noms qui viennent d'une autre liste que tu as vue il y a 6 mois, puis une autre liste à gauche. Moi, ancien étudiant en droit, juriste de formation, c'est sûr qu'il y a un côté de moi qui préfère lire, par exemple, sur Facebook ou sur Instagram, un vrai témoignage d'une présumée victime. Puis, tu vois tout de suite là, dans les détails que c'est pas pourquoi quelqu'un écrirait ça, quel intérêt aurait quelqu'un à témoigner de cette façon-là. C'est aussi les gens dont on va se souvenir le plus, je pense. Ceux qui avaient 3 ou 4 témoignages écrits, parce que je pense que quelqu'un m'a dit qu'il était rendu à 1100 noms sur la liste. Mais là. C'est ça. C'est... Je me souviens, moi, je peux pas d'en nommer 6. La liste, je pense que ça peut quand même être contre-productif. Si j'ai ce vieux côté de juriste qui se dit « ouais, mais... » franchement, d'avoir un argumentaire, de voir des victimes qui s'expriment, je trouve que de mettre tout le monde dans le même sac, c'est même enlever un peu de leur courage à ces victimes qui disent « c'est arrivé à telle place, dans c'est telle C'est sûr qu'en mélangeant les cas les plus graves, puis des cas qui sont des inconduites, qui sont jugées nouvellement inacceptables, du moins, là, tu sais, ça l'a toujours été, mais c'est les plus aujourd'hui. C'est sûr que c'est pas parfait, mais... Le but, tu sais, c'est de donner un électrochoc. Moi, je pense que c'est ça. Fait que l'électrochoc a été reçu, puis genre, qu'est-ce qu'on fera avec ça? Puis on peut pas passer la prochaine année à juste, comme société, à trouver les points faibles de cette méthode-là qui a eu lieu pour invalider tout le changement. Puis je pense qu'il y a des gens qui s'efforcent très fort en ce moment à trouver, tu sais, toutes les petites façons d'invalider ça parce que le statu quo fait leur affaire. Puis ils veulent pas que ça change. Il y a deux affaires, moi, je rajouterais là-dessus. D'abord... Puis ça va être les dernières choses du podcast. C'est mieux d'être bon, hein? Fait que c'est mieux d'être bon en tabarnache. Mais ça va être commencé. Ben, commence par une. Si c'est vraiment bon, on t'arrête là. Puis sinon, tu dois 3 affaires. Il y a deux affaires. Moi, je note quelque chose. Je sais pas si c'est explicatif de quelque chose. Mais moi, si j'étais une victime, puis
on parlerait simplement de Marie-Pierre Morin. Comme on a fait, puis même, nous, on a fait l'erreur. On a parlé pendant 15-20 minutes de Marie-Pierre Morin. Je pense que j'aurais un malaise. J'aurais un malaise parce que, d'abord, c'est une femme. On parle d'une vague de dénonciation de femmes contre hommes, ou de dénonciation envers les hommes. Et la personne qu'on retient, c'est Marie-Pierre Morin. Il y a quand même quelque chose. Super bon point, on va finir là-dessus. Ironique. Marie-Pierre Morin, tout le monde. Non, mais c'est un super bon point. C'est culture pop, en fait. C'est comme de glamouriser cette histoire-là. C'est la même chose, MeToo. Le nom qu'on retient, c'est le nom d'Éric Salvaille, que c'est des relations qui sont homosexuelles. Je me dis, y a-tu un facteur explicatif qui explique cela? Puis je trouve ça assez troublant, en fait. Puis ça me fâche, parce que, tu sais, est-ce que dans 2-3 ans, quand on sait comment les médias fonctionnent, c'est un narratif médiatique qu'on suit le long d'une barre, est-ce qu'on va retenir que c'est Marie-Pierre Morin simplement que le nom qui est sorti d'une chose... On n'aura pas fait un grand changement dans la société si c'est juste ça qu'on retient, puis ça se pourrait que ce soit ça qu'on retient. C'est ça. Puis ça, je trouve ça assez inquiétant. Je trouve ça vraiment inquiétant. Alors, Yann Perrault! Non, moi, je pense qu'on va, quand même aller au-delà de ça, mais c'est symptomatique de la réaction. En fait, c'était plus de dire, il y a des gens qui veulent... Tu as beau leur raconter tout ce qui s'est passé. Et donc, ce cas-là, par exemple, il y a eu une enquête journalistique. Ils veulent pas voir. Ils sont aveuglés par leur amour d'une vedette ou je ne sais quoi. Puis c'est un peu... Je pense que c'est pour ça qu'on en parle. Mais tu sais, il y a du militantisme positif qui peut être fait. Là, je lisais comment les changements de société viennent pas en tapant sur ceux qui freinent le groupe, mais en faisant la promotion des nouvelles idées. T'sais. Fait qu'il faut faire... Pas tout le monde nécessairement peut faire, mais il faut... Moi, j'essaie de trouver humoristiquement quelle sera mon implication à l'avenir, puis dans les prochains mois, les prochaines années, comment je peux contribuer. Puis c'est sûr que c'est plus facile de faire un numéro sur Éric Salvaille, faire des gags, mais effectivement, c'est peut-être contre-productif. Mm-hmm. Mais je pense aussi que c'est important de retenir que toute cette vague de dénonciation-là, c'est un témoignage aussi que le système de justice ne fonctionne pas. Et ça, c'est la réponse... qu'il va falloir avoir, c'est pas une réponse de personne, c'est une réponse politique. Mais j'avais une juriste la semaine passée qui le dit, le système de justice fonctionne dans certains cas, pour certaines choses, mais le ras-le-bol de tout le monde en ce moment n'est pas ça. Puis si tu me dis, j'en ai des amis filles, puis ils m'ont raconté des histoires, puis honnêtement, c'est même pas un cas de prison, la moitié de leur agresseur est rendu avec une famille, puis leur agression avait différents degrés, là, tu sais. Des fois, il y avait 21 ans à cette époque-là, puis là, il est rendu à 37 ans, il a 2 enfants, une famille, puis il est rendu case, tu sais. C'est pas ça, ils veulent pas nécessairement qu'il aille en prison, là. C'est un changement dans la société, mais une reconnaissance peut-être de « Ah, excuse-moi ». Je pense que la reconnaissance est très importante. Je pense que les victimes veulent entendre leurs agresseurs dire « J'ai fait ça, puis c'était pas correct ». T'es pas folle, genre, t'as pas halluciné que c'était pas correct. Parce que des fois, il doit avoir ce spinning-là dans leur tête. Fait comme « Peut-être c'est moi qui exagère, c'est-tu pas, t'sais? » Tout le système leur dit aux femmes « C'était peut-être pas si grave que ça, depuis toujours ». Ouais. Mais le système aussi, c'est un reflet de la société. Là. Le système, c'est le résultant de pratiques, de domination, d'objectification, c'est difficile en fin de panel de dire ça, domestication de la femme. T'sais, le système, c'est le symptôme de quelque chose de beaucoup plus large puis de beaucoup plus culturel de domination. On peut le changer, le système, en fait. Puis la loi, on peut la changer aussi si on voulait vraiment. Exactement. Puis moi, c'est peut-être mon côté un peu jovialiste, optimiste ou naïf. Là, peu importe. T'as l'air tellement jovialiste en vraiment, ce moment, hein? C'est incroyable. C'est le même que j'allais te décrire. J'ai eu Mariana Mazza tantôt en passant, juste que tu saches. Côté énergie, là. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve qu'en ce moment, il y a une réponse politique qui est assez... qui sera jamais assez satisfaisante, on ne peut pas dire ça, mais il y a une réponse politique qui, en ce moment, il y a 4 députés femmes qui travaillent ensemble de manière non-partisane, de 4 partis politiques. Puis moi, je trouve ça hyper encourageant pour la suite. Mm-hmm. Je trouve ça hyper encourageant. Puis il y a un changement de mentalité qui est hyper encourageant. Puis la politique va suivre. La politique suit tout le temps le changement, même s'il y a des récalcitrants, même s'il y a des gens, comme on l'a dit plusieurs fois, qui ralentissent le groupe. La réponse politique, elle va venir. Puis en ce moment, qu'est-ce qu'on voit? Je pense que c'est tout pour qu'on soit encouragé pour la suite. Moi, je dirais, personnellement, c'est comme des fois... Essayer de convaincre une personne plutôt que faire du signalement virtuel sur Internet, là, un statut pour dire « je vous appuie » ou « changer ton statut de profil », essaie donc de convaincre une personne à la place. Tu n'as pas besoin de l'applaudissement de tout le monde pour le faire. T'sais.
Si déjà tu fais ça, quelqu'un fait ça, c'est déjà beaucoup, tu sais. J'ai aimé ce que Marc a dit tout à l'heure sur la reconnaissance. Puis moi. Et toi aussi. Okay. j'ai tout apprécié vos interventions, mais il y a l'importance de reconnaître, effectivement, parce que pour régler un problème, il faut le reconnaître pour commencer. Mais ensuite, sur la question des excuses, en fait, moi, un parallèle que je peux faire avec le racisme, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que tu peux dire des choses profondément déplacées et t'excuser, puis c'est correct après. Puis pour moi, c'est pas suffisant. Les excuses ne sont pas suffisantes. En fait, je pense que les gens ont vraiment un devoir d'éducation. Je pense que, comme tu l'as dit, comme each one teach one, chaque personne parle à une personne et on fait notre petit bout comme ça. Mais après ça, ce n'est pas suffisant parce que moi, je regarde dans les écoles, on manque de ressources professionnelles. On met la charge de l'éducation relative à la sexualité sur les enseignants alors qu'on est déjà débordé. Comme je pense, s'il y a quelque chose que moi, j'aimerais en tant que prof, c'est qu'on investisse dans les écoles pour engager des sexologues, pour engager des vrais professionnels qui sont formés pour donner ce contenu-là. Mm-hmm. Parce que là, moi, j'enseigne français, maths, éthique et culture religieuse, histoire. En fait, on devrait reconnaître que c'est un problème de santé publique. Exactement. La violence sexuelle, c'est un problème de santé Exactement. Publique. Oui. Et là, ça sonnait la fin. Hey, ben tout le monde, je pense que c'était... Ben oui, c'est le mot de la fin. Hey, merci à vous trois d'avoir participé. Je veux vous dire, au début, je disais, on veut pas d'applaudissements parce que l'idée, c'est pas d'avoir l'air de des héros, mais il y a un petit peu quand même d'audace à venir participer à ça dans le contexte actuel. Alors, je vous remercie d'avoir accepté d'être venu de vous confier. J'espère que vous ne serez pas sur une liste demain, puis je vais faire tabarnache, il faut que j'efface cette vidéo-là. Alors, merci à vous trois d'avoir participé. Merci aux gens ici à la salle Fenplace d'être venus assister ce soir à l'émission. Merci aux gens à la maison. Moi, je ne vois pas qui est encore là. On refait une nouvelle émission le 7 août prochain. Je sais qu'il y en avait une le 31, mais là, à cause des vacances à construction, c'est bien trop compliqué. Tout le monde est en vacances. Regardez avec qui je me suis retrouvé. Là, tu sais, alors, non, pour de vrai, on est le 7 août. Si vous voulez venir assister à la salle Fenplace, c'est 20 $. Allez sur mon site, vous allez voir, c'est facile à joindre. Puis, il est tard, je commence à être fatigué. Alors, je ne suis pas bon pour finir ces affaires-là. Merci tout le monde. Bye! Hey, merci à vous trois.